Salut, bienvenue le chat. Alors, <laughs> j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous apprêtez à faire une bonne fin de semaine. Dernier jour, de jour avec un S de liberté, entre guillemets. Euh, avant les quatre semaines de, de confinement, même si ça n'a pas la saveur du premier confinement, on est d'accord. <laughs> euh, non, pas que j'ai envie de revivre ça, mais. Du coup, aujourd'hui, je voulais euh, vous proposer de découvrir ensemble Live LiveWayer. On l'avait déjà testé dans une ancienne, un ancien live et euh, je me suis dit que ce serait intéressant de le retester, mais dans un cas un peu plus concret pour voir euh, ce qu'il a dans le ventre, parce qu'on s'était fait un avis euh, assez rapidement la dernière fois et, euh, et je pense que ça peut être intéressant de, de replonger dedans. Juste avant, le temps que les gens arrivent, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la... Enfin, rentrer dans mon administration, la... Je vais y arriver. La vidéo sur, euh, sur Symfony UX, je l'ai montée aujourd'hui, elle est, elle est toute fraîche sortie du four. Euh, du coup, il faut juste que je l'uploade et que, et que je la mette en ligne. Donc je vais faire ça de suite, de suite. Voilà. Euh, si j'y arrive. Je sais pas si on a le droit de. Ah. Ah. Je peux faire ça, ok. Alors est-ce que je fous les vidéos sur ce serveur mmh, mmh, mmh. Alors, Il Va falloir qu'à un moment je prenne un peu plus d'espace, je pense que je vais avoir un problème de, de place sur le serveur, le, le serveur qui héberge le site actuellement. Je, les vidéos prennent pas mal de gigas au, au fil du temps et c'est pas... J'avais pas forcément prévu que ça grandisse autant. Euh, alors, hop hop hop. Désolé si je ne vous montre pas les trucs, c'est juste que je suis complètement perdu, trop de fenêtres. Euh, ok. Ce qu'on va faire comme projet pour, pour LiveWire, je pense que c'est qu'on va réutiliser le, le fameux truc de l'agence immobilière. Et je pense que là où ça va être intéressant, ça va être de voir sur la partie formulaire comment ça fonctionne voir si, si c'est intéressant ou si c'est un peu lourd lourd quoi. Merci Alex pour le raid. Pour <laughs> ah c'est toujours ça, deux personnes, c'est mieux que, que rien. Euh, ça fait toujours plaisir. Euh, alors, tout, 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 on va mettre la vidéo, c'est... Ah ben voilà, j'ai mal copié le nom. Génial, il faut que je refasse tout. Euh, Alors, I3 c'est très bien, mais alors dès que tu as, as un peu trop de fenêtres, ça devient vite le bordel. Ok, c'est bon, joli. Euh, le titre, on va mettre Découverte de Symfony UX. Euh, Symfony-UX au niveau de l'URL. On va choisir des jolies images. Alors je dois avoir des jolies images ici. Euh, je les ai préparées. Hop. Voilà, des jolies miniatures YouTube. Alors, vu que c'est une vidéo symphonie, euh, ben, comme d'habitude, j'ai pas mis le logo pour éviter de me, de me faire flaguer par, par Sensio. Euh, donc le background il est où Il est là. Et j'espère que j'ai. Ok. Donc symphonie-ux. Voilà. Donc je vais uploader ça. Ça, ça va être. Euh... Merde, il est où Ça, ça va être le fond. Donc, ça on va l'appeler symphonie-ux. Ah mais je peux pas. Euh... Ouais, on va pas mettre celle là. Ouais, on va mettre celle là. Symphonie X. Tu pétais un câble sur Next t'essayais de faire quoi Tu pétais un câble sur un truc particulier Parce que tout le monde pète des câbles sur Next. <laughs> un peu la marque de fabrique, quoi. Euh... Ok, je regarde juste qu'est-ce que je dois faire sur les. On va dire que c'est un tuto qui est plutôt amateur, euh, qui nécessite de bien connaître Symfony. Et je ne sais pas quelle version de Symfony j'utilisais dans la vidéo, on va dire 5.2. On a quelle version actuellement de Symfony Je ne vais pas regarder. Est-ce que c'est marqué sur la doc J'imagine que là on doit avoir un drag-drop. Ok, 5.2. Euh, ok, et on va mettre une description bidon. Et on envoie. Sauvegarder. Je vais ouvrir le MacBook. Et on va copier la description que j'ai écrite sur mon MacBook. En regardant une série nulle à chier. Et tu c'est de quoi je parle. Avec des débris de vaisseaux spatiaux qui tombent sur, sur la Terre. C'est tout pourri. Euh, mais ouais, du coup, vu que tu peux faire deux choses en même temps tellement c'est nul. Bah ça te permet d'écrire les articles et ça c'est quand même bien. <laughs> c'est bien pour ça. C'est le seul avantage du truc. Quoi. Ah, ok, donc là la techno elle s'est pas bien remplie, <laughs> 5.2. La série c'est débris. C'est une série, ça fait vraiment genre un peu à la fringe tu vois, mais version version pourave où, où, où les persos n'ont pas de profondeur, l'histoire, tout est téléphoné en fait. Mais euh, je sais pas pourquoi je regarde ça. quoi. Euh, et euh, je sais pas sur quelle chaîne ça passe, mais c'est vraiment pas terrible. Mais euh, voilà, du coup, vu qu'il se passe tellement rien à l'écran, tu peux faire autre chose en même temps, et ça c'est quand même pas mal. Euh, ouais, c'est vraiment version du pauvre de fringe, qu'on va dire. Et le tuto, alors, où est-ce qu'on le publie On va se dire que lundi, vous faites la chasse aux œufs. Allez, mercredi, mercredi à 14h. Voilà. Mercredi 14h, on va se dire. Est-ce que mon date picker fonctionne Le 7 avril, on sera. Ça, ça paraît loin. Hein euh, quoique, quoique, quoique. En rentrant des oeufs En rentrant de la chasse aux oeufs, mardi. Lundi, c'est férié. Ouais, ouais, ouais. On me l'a rappelé juste à l'instant que c'était férié. Enfin, à l'instant. Ok, ok, ok. C'est bon. Allez, on va se dire un mercredi. Comme ça, ça me laissera le temps d'enregistrer. En Donc, c'est bon. Pour ceux qui sont premiums. Je me fais un peu de pub. Euh, le tuto, il est là. Euh, normalement, vous pouvez le regarder. Il et... faut que je corrige les fautes d'orthographe, mais en dehors de ça, c'est bon. Alors, maintenant, on va partir sur ce fameux live voyeur et on va voir de quoi, de quoi il en retourne. J'ai pas de jardin non, pour les œufs. Bah, tu les caches chez toi. Tu les mets dans les placards, dans le frigo. Après, ils sont faciles à trouver, mais tu le mets dans le frigo. Tu vas, ah, j'ai trouvé les œufs et tu les bouffes. Parce qu'en vrai, la, la chasse aux œufs, c'est nul. Ce la phase intéressante, c'est quand tu bouffes les œufs, quoi. Et tu réalises qu'ils sont dégueulasses. Que la moitié ont fondu. Et qui... Alors, donc okay, alors déjà, ça a l'air de partir sur une install bien bien hardcore. Euh... Donc on est d'accord que c'est full JavaScript ce truc-là. Euh, la, la vidéo Inertia, c'était c'était la dernière fois qu'il fallait venir. <laughs> euh... Alors, je me demande, est-ce qu'on n'utiliserait pas la base Inertia qu'on a utilisée en dés désengageant Inertia ou on se dit on... on refait une install de base on va faire une install de base. Je vais juste me rendre dans le terminal, couper, couper un peu l'écran deux secondes, histoire de nettoyer mon terminal et j'arrive. Mais la, la, vidéo, la, la vidéo tuto Inertia est dispo, hein, tu peux la regarder. Euh, elle a été enregistrée la semaine dernière. À... Ok, c'est bon. Alors, je vais grossir ma police. Voilà. Donc, on va faire un coup de Composer Create Project. On va faire un Laravel et on va l'appeler... Merde, c'est quoi la commande euh, Prep-livewire. Comme d'habitude, prep pour les, tutos de pré... enfin, les, les codes de préparation et tutoriel quand j'enregistre je, la vidéo. Alors, les gens disent, c'est cool, LiveWire. Ben, on va voir, on va voir. Euh... Aïe, ah, j'ai vu le tuto Symfony Punaise, c'est rapide. Tu remarqueras que je serai beaucoup, je suis beaucoup plus neutre dans la vidéo euh, que dans, dans mon test, on va dire, de... donc c'était PrEP Live Wire. Voilà, euh, je pense qu'il n'y a rien à faire dedans et on va ouvrir ça avec mon IDE. Je PHP Storm encore une fois. Euh, PHP Storm et on va ouvrir... Punaise. Il va falloir que je clean les projets là, il y en a tellement. La liste, elle est longue comme le bras. Si LiveWire c'est aussi cool que LimeWire, ça va me plaire. C'est la référence de, de vieux. quoi. Euh, ok. Ok, on remet l'écran. Alors. Donc j'imagine que je suis euh, Noob de chez Noob. Euh, je vais peut-être. Ouais, mais attendez. Je <laughs> vais euh, C'était tuto Inertia, c'est ça, oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la base de données la dernière fois. Vous vous souvenez, on avait fait un système de cider, tout ça, tout ça. Euh, ça. Ça va être très bien. Donc, on va se créer un petit modèle, on va faire la page de listing et euh, on va se créer peut-être un template vraiment de base au niveau de la page. Tu pourrais. Oui, oh, c'est vrai que je pourrais mettre les bulles, mais les bulles, c'est chiant. Euh, parce qu'en fait, c'est sur une autre scène où il n'y a pas le son. Alors, ça ferait un peu triste. Mais je, ouais, il faudrait que je le rajoute sur ce, cet écran-là. Quoique, je l'ai peut-être là. Attendez, attendez. Mais je crois que c'est quand. Bah non, je l'ai pas là. Ah, attendez. Euh, modifier. Oh, je, je débute. Propriété. Hum... Euh... Mm -hmm. On va aller sur le GitHub et on a l'overlay normalement. Repositories. Twitch overlay. c'est marrant, vous avez vu le liste en GLSL. Comment on a un accès au GitHub page Ah fuck, attendez, je coupe deux secondes. Et je suis de retour. On avait fait un truc comme ça en fait, et on pouvait mettre des trucs il me semble euh, juste, je sais plus comment je l'avais fait. Dans le main.js, on avait OS. Il ouais, faudrait que je puisse changer les textes parce que là en fait j'ai juste ça qui me permet de mettre le... J'avais fait avec des query params ou j'avais fait comment ça Oui j'avais fait ça, point d'interrogation OS égale lol et ça mettait automatiquement lol ici. Mais il faudra que je fasse un truc pour changer les autres textes. Non mais je vais pas réutiliser les factories, je vais simplement modifier mon, mon point env de, de la Ravel et me brancher sur la base de données qu'on avait seedé la dernière fois. On va pas s'embêter à, à refaire le Seeder et tout ça. Donc on va aller dans le, dans le point env ici et on va aller dans la partie base de données. Et on va faire ça. Euh, on va aussi prendre un modèle. Donc on va aller dans les. On va faire un PHP artisan artisan make de point modèle. Et on va créer un modèle pour les biens immobiliers et on va créer un, un modèle pour les. les on va créer un contrôleur aussi, contrôleur et on va l'appeler le property controller. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire hein, basiquement. Je vais juste reprendre property controller. Je dois l'avoir quelque part, voilà. Et euh, à la limite, on s'arrêtera là. <laughs> Merci Amiti, pour les encouragements. J'ai vu mieux sur l'écran d'attente, sympa. Ça fait toujours plaisir. Mais euh, ouais, je, je vais faire une version où je pourrais changer tous les textes parce que comme ça, ça me permettra de mettre des textes pour d'autres pour d'autres cas. Alors, on part du principe que euh, globalement on fait ça. Ensuite, on doit créer un composant et on fait tout ça, tout ça. Alors, il bourrine directement. Je ne sais pas s'il faut installer Laravel Mix ou pas. On va cliquer là, peut-être. On nous dit juste qu'on a besoin de Laravel et de, de bon OK. On va partir du principe que Mix ne fait pas partie de l'équation même si à mon avis euh, je pense que si. Donc j'installe Livewire. C'est fait. Ensuite, on m'explique de charger Livewire styles dans les Livewire. OK. Donc euh, j'ai pas de template il me semble. Donc on va aller dans ressources euh, views et on va créer un layout On va peut-être cliquer là, Oui, j'avoue. Euh... Ben, le layout, globalement, on va, on va s'inspirer de ça. Hein. Je pense qu'on va mettre app.blade.php. Voilà. Euh, on va ben, virer tout le bordel là. Tiens, c'est quoi qui charge là ouais, C'est Google Font Direct. Euh... Ouais, ben vas-y, hein, dégage-moi dégage tout. Voilà. Hop, hop. Et euh, on nous dit donc d'utiliser Live Style, LiveWireStyle, ouais, si tu veux. Et ensuite d'utiliser Script, ok si tu veux. La question, c'est est-ce qu'il faut quand même une, euh, un truc dans la page On verra. Euh, on peut utiliser ces tags. Si tu as envie, je ne vais pas te contredire. Et euh, c'est bon. On nous dit ensuite, il faut publier. Est-ce que ça, c'est nécessaire ça n'a pas besoin c'est pas clair. Hein? Alors déjà, attendez, on est bien sur la page d'installation. Ok. Donc maintenant, on va démarrer le serveur web on va voir de quoi il en retourne. Donc on va faire un php, localhost 2.3000, t public, et on va voir de quoi il en retourne. Ensuite, on va aller sur localhost 2. hop là, localhost 2.8000. Et là, j'ai un welcome is not found, ce qui est normal. Donc on va aller créer la vue de base. Donc on va aller dans la partie euh, web.php. Et on va installer. Euh, hop, hop, hop. On va lui dire, lorsque tu vas sur la page d'accueil, je veux que tu ailles sur le property controller. Et ensuite l'action index. Ok. Cette action, elle n'existe pas, donc on va aller dans le property controller. On va aller créer une nouvelle fonction, public function index. Et ensuite, on lui demandera de retourner une vue. Et on rendra la vue qui s'appellera, on ira dans property slash index. Point blade mais je crois qu'on a besoin de rien faire et juste pour énerver Amity, je mets un slash hein, au lieu de mettre un point euh, ensuite je crée un nouveau dossier on va l'appeler property et on va aller dans index.blade.php c'est quoi le live -wire ben, on va découvrir ensemble apparemment ça, ça a l'air d'être un truc pour le front je vous avouerai qu'on avait testé la dernière fois mais je m'en souviens absolument plus donc euh, on repart de zéro donc c'est si tu suis mais ben, on va on va découvrir ensemble euh, ce que c'est donc là, on va créer une section body et ensuite on fait un n section. Voilà, je, je crois que c'est ça. Euh, vous savez, le mec qui fait du, <laughs> mais qui est vraiment habitué. Et on va lui dire je extends de euh, app.blade.php. Voilà. Et là, je mets hello world. Au niveau de mon app.blade.php, ici, on va avoir le body. Tu sauras si tu restes. Ben ouais, mais c'est comme ça qu'on motive les gens. Ok. Donc là, on a euh, LiveWire qui est chargé. Donc on voit qu'il a injecté des styles un peu chelous et qu'il a injecté des scripts un peu chelous. Ok. Il utilise Alpine.js. Pas de souci. Je sors mon inspecteur. Je vais dans la partie console. On me sort des erreurs 404. Mm -hmm, mm -hmm. Où on me dit que LiveWire is not defined. D'accord. Mmh. Euh, alors, est-ce que j'aurais pas voulu. Alors, je, je fais volontairement mon con. Ça, une Quand je dis ça, c'est en général pour excuser le fait que j'y comprends rien. Mais je suis la doc. Alors, peut-être qu'il faut que je publie ça. C'est bizarre de te dire, ça work out of the box. Ok. Donc, on... Attends, attendez, attendez, attendez. Avant de faire ça, on va faire un petit commit. Parce que j'ai envie de voir ce qu'il crée à chaque étape. Ça, c'est important. Donc on va faire un petit coup de... Ah, il n'initialise pas Git. C'est marrant, Symfony, il initialise... Ok. Qu'est-ce que ça me raconte Ouais. Ouais, bon, on s'en fout. Euh, git status. Je pense que par défaut, il élimine bien les bons trucs. Hein. Donc on va faire un Git add. Et on va faire un Git commit -m. Alors on va mettre first commit. Ok, maintenant on fait notre fameux truc qui publie les, la, la config. On regarde notre versionning Git et voilà ce qu'il a créé. Il a créé un nouveau fichier qui s'appelle livewire.php dans la partie config. Ok, est-ce que ça améliore notre, notre système Non, ça n'améliore pas les, les erreurs qu'on a là. Donc on continue, on continue. Ensuite, on nous, dit de publi publier. on nous dit de publier les assets. Donc, j'imagine que ça, ça va être important. C'est ce qui va permettre de faire fonctionner euh, les assets. Donc, on voit que là, on a notre livewire.js qui a bien été publié, notre manifest.json. Donc, j'imagine que ça va corriger les problèmes. Bingo Ok. Donc, « To keep the asset up to date and avoid issue in future… »« We highly recommend the command post, upload, dump composer.json. » Ok, si tu veux, je ne vais pas être contradictoire là, je vais vraiment faire ce que tu, tu me dis. Moi, si je veux éviter des futurs problèmes, je veux éviter des futurs problèmes, parce que le futur moi, il va me remercier. Il faut juste que je trouve quelle commande je dois faire, c'est celle-ci. Voilà, donc... donc on la met là. Oh, pinaise, tu m'as fait peur, je m'attendais pas à la notif. Il <laughs> faudrait que je coupe le son. Euh, merci, euh, merci Lior pour le... <laughs> Putain euh, merci, merci pour le sub. Et... Euh... Ok. Et Mercure, ne l'oublie pas de remercier aussi. Bon courage, pourquoi Parce que tu as déjà testé LiveWire et tu sais que je vais en chier, c'est ça euh... Bon, après, ça a l'air d'être des trucs qui sont optionnels, on va pas, on va pas trop y toucher. T'as testé par curiosité ça, LiveWire, toi ça a l'air trop bien. Ah merde. Chez <laughs> ta merde. Euh, je sais que tu fais beaucoup de Symfony d'ailleurs. Est-ce que tu as testé Symfony UX Je serais curieux d'avoir ton ressenti sur le, sur le sujet. Le mec en profite pour faire une mini interview en, en live. Euh, bon, en tout cas, on n'a plus de problème. C'est cool. Donc l'installation, on sait faire. C'est juste que là, ça m'a induit en, en erreur. Donc si vous écrivez une doc, ne dites pas on essaie de faire zéro config si ensuite il vous faut écrire de la config. Quoi. Euh, ok. Ok. Alors, maintenant, on va créer un composant. Hmm. Alors, la question que moi, je me pose, c'est finalement... Euh, est-ce qu'on crée toute la page sous forme de composant Ou est-ce qu'on crée seulement une partie, une partie Pour l'instant, j'aurais tenté de me dire, on va créer des pages standards. Si vous voulez, on va créer le listing de biens. Et dans le listing de biens, on va... Euh, J'ai la cuisinière qui sonne à cette heure-ci. Ah mais merde, oui, il est déjà 19h, ok. Euh, on, dans, dans, le, dans le formulaire d'un bien, on va mettre en place l'affichage. La, Alors, que je réfléchisse, comment on va faire ça Parce que si on fait toute une page en entier, je pense que ça ne va pas être très représentatif, si vous voulez. Euh, ouais, bah on va devoir retélécharger les sources de la dernière fois. Hein. Où est-ce qu'on se fait un petit compteur pour tester d'abord voilà, On va faire un petit compteur On va faire un tout petit composant et ensuite on, on essaiera d'intégrer ça à une page. Je pense que c'est le mieux parce que si on essaie de, de foutre tout le bordel de suite, ça va être compliqué. Et puis on est là pour comprendre un peu ce que c'est que LiveWire. Alors, on va s'imaginer qu'on crée un compteur. Donc pour créer un composant, on nous explique qu'il faut faire ça. Alors moi je suis un jeu très con mais. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire. Euh, Alex, il faut rester jusqu'à la fin. <laughs> on teste. Ok, donc là, on a créé « Would you like to show some love by starring the repo bah ?» Non, 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 moi, je n'ai pas. Attends. D'abord, je teste. D'abord, je goûte les plats. Et après, je note. Ok. Donc là, il a créé deux trucs. Une classe qui s'appelle « counter.php ». Et ensuite, un « counter.blade.php ». Où on me demande d'être comme de l'eau. Mmh, mmh. Ensuite, je peux utiliser une notation en kebab. Mmh, kebab. Euh, mais c'est pas ça. On m'explique que j'ai deux fichiers qui vont être créés. Je peux créer des sous-dossiers. Ok. On parle d'inline. Quand vous faites une doc, commencez pas à sortir trois tonnes de détails. Je ne sais pas si vous pouvez. Non, enfin C'est un peu chiant parce qu'on s'y. Ok. Rendering component. Alors. Dans une page je peux lui dire j'ai envie de rendre ce composant là ok alors ça c'est une première nouveauté alors on va sortir notre inspecteur parce que je suis toujours curieux Et je suis toujours curieux de savoir pourquoi ça explose mon inspecteur aussi je suis obligé de faire ça puis ça puis ça vous voyez il disparaît en fait quand je redis il faut que je, je désinstalle chromium il faut que je désinstalle carrément tous Linux quoi donc j'imagine que dans ma page donc on va prendre le le index.blade.php je rajoute ce composant là Non non en fait ce que je disais c'est que euh, là dans le making component me parle pas d'inline components si tant que j'ai pas vu, vu un composant de base en fait. C'est pour ça que je jugeais que cette partie là dans Essential servait à rien. Non non, le côté court j'aime bien justement. Mais c'est cette partie là qui me disait attends tu es en train de me parler d'arguments, montre-moi d'abord comment fonctionne un composant avant d'aller plus vite. Donc là j'ai deux manières de rendre un composant. Et voilà. moi je préfère celle-ci parce que l'autre elle me perturbe vraiment beaucoup et en plus ça fait, euh, ça fait paniquer mon IDE. Donc là je vais rendre compteur. If you have a component. Ok. Ok. Et je peux lui passer des paramètres. Alors on va s'imaginer que... On va lui passer un paramètre. Tiens. On va lui passer le nom de la personne et ça sera John. Mais ça pourrait être des variables PHP, tout ça, tout ça. Donc je réactualise ma page. Euh, je vais dans l'onglet réseau parce que je suis toujours curieux de savoir ce que ça nous tape en JS. Ça charge juste livewire.js, ok. Et dans le xhr, je n'ai pas de xhr. Ok, pas de problème. Euh, au niveau de ma page, qu'est-ce que j'ai dans le code source J'ai ici une div qui a wire ID et wire initial data avec le JSON des données. D'ailleurs, j'y sonne beaucoup trop gros par rapport aux données que j'ai envoyées. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Combien pèse le JS, par curiosité Juste de LiveWire. Euh, du coup, là, on a 151 bits, Donc, 150 kilo-octets, euh, sachant que ce n'est pas JCP. Ce qui n'est pas, pas petit, mais en même temps, il faut faire attention parce que peut-être il y a des... Voilà, il y a tout le truc de Hot Reload ou je ne sais quoi. C'est difficile, mais c'est fat, ouais. on est d'accord, c'est fat. Ok, donc maintenant, dans mon composant, je peux recevoir des paramètres. Donc, dans mon compteur.php, ah, putain, c'est… Ah là là, il faut vraiment que je reformate ce Linux-là. J'ai tellement peur de ne pas arriver à le faire correctement. Il faudra peut-être un live, d'ailleurs, sur le test de, de... de Endeavor OS. Euh, mais là, on m'explique que, grosso merdo, je peux avoir une propriété publique qui va s'appeler name. Ok. Donc on continue. For example, in the case of Leninia, if the show post component has a public property name post, it will be automatically assigned if for whatever reason, this doesn't work. <laughs> si ça marche pas, fais ça mais bon. Euh, OK. Admettons. Ah putain, c'est Je peux injecter des dépendances OK. Il s'arrête en plein milieu de la. Qu'est-ce que je suis censé faire après là Là, il est bien gentil, mais il me dit rien. Euh, Peut-être ce qu'on peut faire, c'est là, là où on est comme de la flotte, là, on va mettre salut les gens. Pour voir si ça crache quelque chose sur notre page. Je sauvegarde, je réactualise et j'ai mon salut les gens. Mais il vient d'où ce salut les gens là Ok, il est dans, dans le DOM. Il est dans le DOM, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai une div là. J'ai une div qui a disparu. Si je mets un paragraphe, il disparaît aussi Ou c'est juste qu'en fait, il faut un élément racine et il le met Ok. On va partir du principe qu'il y a un élément racine et il le met. Ah non. Peut-être que c'est cette div qui prend automatiquement. C'est cette div-là qu'on voit là. Mais c'est juste que la notation est un peu flinguée. Ok. Et si je mets ici « name », je m'attends logiquement à ce qu'il affiche le nom de la personne. Ok. Oui, après je sais, il y a un quick start et j'aurais pu faire un compteur et j'aurais pu avancer plus vite, c'est ça <laughs> euh, Je clique sur ton lien, Ipario. Ah, il était là-haut. Ouais, mais c'est plus rigolo quand, on, quand je fais les choses manuellement. Donc là, on était là. Donc on peut passer des paramètres, ça marche bien. Bon, après on a le full page. Euh donc, ça, bon, Layout Component. bon Là, il y a plein d'informations, mais on continue. Ah, Je clique pas partout, mais excuse-moi. J'ai cliqué sur The Essential. Moi, j'ai envie de tout apprendre, quoi. Non, par contre, c'est les événements. On aimerait bien que quand on clique, il se passe quelque chose. Alors, les actions. Page Interaction. C'est quoi cool, la différence entre Event et... Okay, il m'explique un peu la même chose là. Ouais, il manque un tuto sur graphique c'est pour ça. Donc là, je peux lui dire quand tu cliques, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, on va euh, s'imaginer qu'on a un petit compteur. On va l'appeler euh, ben, compteur et on va le mettre en strong. Et on va mettre compteur de points. Là, on va mettre un petit espace. Et on va s'imaginer qu'on aura une valeur qui sera le compteur. On va l'appeler i. Euh, ensuite, dans mon compteur ici, j'imagine que je peux avoir une propriété publique qui s'appelle i qui vaut 0. Si je réactualise la page, ça me donne compteur à 0. Ok. Maintenant, on va lui dire que quand on clique sur le bouton, on va incrémenter. Donc, on va lui donner une classe. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit classe. On va lui dire. Ah, je ne peux pas sélectionner ce texte. C'est une nouveauté. Ok, donc ils sont inventé. Non, en fait, je ne peux rien faire, c'est ça Et la page a tes plans. Ok. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, ouais. Ah, ouais, tu... ok. <laughs> What the fuck ma, ma... Ok, je pas dû cliquer, je suis désolé. Je suis désolé, Chrome. Euh, donc, je vois un clic. Donc là, je vais lui dire, quand tu cliques, je veux que tu appelles une méthode qui s'appelle « Increment ». J'ai l'apéro qui m'attend. Ah oh, un apéro. C'est interdit après 19h. Ok, j'incrémente. Donc quand je clique sur le bouton, j'ai une erreur. Ce qui est logique hein, parce que je n'ai pas encore créé. Par contre je me demande qu'est-ce qui se passe au niveau de la console. Euh, au niveau de la partie réseau. Ok, donc il appelle en poste quelque chose en lui passant un fingerprint, un serveur memo et l'update à faire. Donc ça s'appelle la méthode incrémente. Ouais, c'est quand même yolo quoi. Ok et là dans mon compteur je vais pouvoir lui dire je vais avoir une nouvelle une nouvelle méthode qui s'appelle increment alors, on va revenir dans notre système d'action. D'accord, donc une action, ça fait juste un changement. Tu veux dire que là, je peux faire jar, vis, i plus plus et ça va ça va fonctionner. Je clique sur incrémenter, OK. Ouais, ça fonctionne, ça incrémente mon compteur. Donc OK, ouais, c'est magique un peu quand même. Donc Dans la preview, qu'est-ce que j'ai La preview, c'est ce qu'on récupère. J'ai un effect. Et on me dit, voilà, tu as re rendu tout ça. Donc, il me re-renvoie tout le composant en HTML, en HTML, et l'HTML, ensuite, il le re-rend. Et là, il me donne des datas. Euh, je ne sais, sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et donc, du coup, il réinjecte l'HTML. Est-ce qu'il est super méga intelligent on va voir. Alors, pour tester s'il si est super méga intelligent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce compteur-là et on va modifier du texte. Par exemple, ce nœud-là. Et on va voir s'il ne rend que les nœuds qui ont changé. La réponse est non. Donc, on n'est pas sur un truc virtual DOM, tout ça, tout ça, à première vue. OK. Euh... Ouais, je peux lui passer des paramètres, tout ça, tout ça. Ah, il parieux, il, pari il pèse sa tournée. <laughs> il fait l'apéro à tout le monde, des olives. C'est pas fait pour faire des juifs ultra poussés. Euh. Alors, la question, c'est effectivement ça. La question, c'est du coup, est-ce que moi, je me dis par exemple, j'ai un formulaire, euh, c'est quand même chiant à traiter, je ne veux pas faire une API, tout ça, tout ça. Est-ce que je peux le faire avec LiveWire, en limitant effectivement les allers-retours Mais je suis en train de me dire, pour un formulaire, le problème, c'est que si tu veux une validation quand tu tapes sur le champ, ça va être l'enfer. Donc, on va peut-être tester à la soumission du formulaire, ce sera déjà pas mal. Une requête XHR pour un compteur niveau perf, pour des composants plus compliqués, c'est. Il ben, faut voir pour des composants plus compliqués parce que le compteur, c'est débile. Effectivement, le compteur, tu vas le faire entièrement côté front. Mais par contre, c'est côté back qui est intéressant. C'est pour des choses où, où tu as effectivement besoin d'un échange côté back en permanence. Donc, c'est ce qu'on va tester euh, tout de suite. Et je pense qu'on va tester avec un exemple qui est plus concret que faire un composant qu'on pourrait faire avec React parce que ça n'a pas de sens. En fait, je me dis que j'aimerais bien tester un, un formulaire. J'aimerais bien avoir un effet de loading. Et pareil, ça va re rentrer au formulaire juste pour m'afficher le loading en fait. On, on va tester. On va tester et vous savez quoi euh, on va, Parce qu'en fait, il y a cette partie-là qui m'intéresse. Donc, on va, on va tester sur des cas réels. Voilà. Si, si on commence à réfléchir, euh, Alex a totalement raison. En développement, faut pas réfléchir, faut faire les choses et on voit après. quoi. Code first, think, think next. Quoi. Je vais juste me reprendre le, 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 les sources des de trucs des biens immobiliers en fait. C'est juste que je suis en train de chercher... Euh, c'était le tuto Symfony, non Non, c'était pas le tuto Symfony. C'est quel tuto On avait fait les biens immobiliers Ah merde, c'est mort. Oui mais justement, ne me, hein, me spoiler pas, on va, on va, on va faire ça ensemble. Ah, bienvenue dans cette nouvelle... Oups, vous m'avez entendu en double. Ils se sont dédoublés. Euh, J'étais en train de regarder mon tuto. Mais qui regarde ces tutos en live, tu sais. Pire truc, quoi. Pire truc. Euh, dans le dossier public, là, je vais aller créer mes assets. Alors on va partir du principe que j'en ai rien à faire. Euh, voilà, on va les mettre comme ça. Ah ouais, ils sont carrément là. Donc on va créer un dossier à 7, pouf, pouf, pouf. on va glisser ça. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire du tout. On va les mettre là comme ça. Voilà. Et ensuite, on va aller dans le dossier... Euh... Voilà, on va créer un nouveau dossier. Enfin, on va le mettre euh, là. Template. Ou source. C'est où le dossier view ressources là on a le dossier view on va créer templates et dedans je vais mettre mes templates ngk que j'avais la dernière fois du nunjuk. voilà je sais pas si on a besoin de js en vrai ouais, pour l'instant on va rester sur ça et si j'ai besoin je mets je mets la fenêtre sur le côté j'ai tellement de fenêtres sur les côtés c'est le bordel et je vais voir quelle est la différence entre le dossier assets et le dossier vendors euh, tu parles dans quel dossier Donc, on va garder le compteur, quitte à l'avoir écrit. Et on est parti. Euh, donc, on va se créer pour l'instant des pages qui vont être des pages purement. Euh, bah purement Laravel. Pour le coup, ce n'est pas, pas spécifique. Donc, dans le property controller, on va récupérer l'ensemble des biens. Donc, on va faire un items égale property. Et on va les récupérer toutes. On ne fait pas de pagination. Et ensuite, on va retourner euh, ben, du coup, une vue. Et on va retourner property slash index. Et ensuite, on va faire la même chose pour voir un bien immobilier. Donc là, on va faire la méthode show. Et on fera un property.find. Et on trouvera celle qui correspond à l'ID. Quoi qu'on pourra même l'injecter comme ça. Property, property. Et là, on lui dira voilà le bien immobilier. property c'est long, ben, je suis désolé, Aminti, hein? il faut le temps autant. Temps. On est obligé de faire ça, hein? je suis obligé de préparer un petit peu les, la structure parce que je ne l'ai pas sinon. Ok, donc là maintenant je vais réactualiser la page. Ça devrait m'afficher toujours la page index et on va peut-être lui dire de charger notre CSS. Donc dans notre app.blade.php, on va lui dire ici, j'aimerais bien que tu charges euh, mon. À la page, j'arrête pas de planter. C'est quoi cette doc, quoi? Bah, quitte la page, vas-y, crache le truc. Hein. Euh... Attends, en 2021, les pages qui font cracher mon PC à cause du JavaScript, elles se comptent sur les doigts de la main, quoi. C'est vraiment de la merde. Hein. Ça n'inspire pas confiance. J'ai que des problèmes avec les docs, on dirait, en ce moment. Entre l'autre, qui réactualise en permanence, c'est ça. <laughs> Ouais c'est ça. Si la doc est faite avec la wire, ça sûr pas confiance. Hein. Euh, Assets/slash ça. Voilà. Comme à l'ancienne, on charge les CSS comme, comme un gros un gros dégueulasse. Ensuite, on va charger le template. Euh, je regarde à quoi ressemble mon template. Hmm. Après, ce qui m'étonne en fait et ce que je me pose comme question, c'est comment il fait en fait, il doit garder comment il fait pour garder l'état du composant Est-ce que du coup, il doit lui envoyer tout l'état pour que le composant il sache ce qu'il doit re rendre Est-ce qu'il peut pas persister les informations entre deux requêtes C'est marrant ça. Euh, ouais donc quand on était dans les templates, ça c'est quoi C'est le template par défaut. Bah, c'est impeccable, c'est ce qu'il me faut là. Donc ça c'est le footer qu'on va mettre. Putain, le NGK ça ressemble vraiment à du Blade, euh, du Twig plutôt. C'est ouf. Donc on va créer un petit header qu'on va mettre en haut. Il est où mon app.blade.php Donc avant de yield de le body, on met notre en-tête. Et ensuite, là ça sera slash assets. Slash image slash logo. Voilà, ça ne marche pas, c'est génial. Euh, les images, elles sont où TP Agencia. Ok, elles sont là. Donc, dans le dossier public, faudrait que je me prépare un template, en fait, parce que sinon, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on fait ça tout le temps. C'est un petit peu long. Après, Hamilton, il n'est pas content. Il fait non, rembourser Donc là, on a notre truc. Ensuite, on a notre footer. <laughs> Remboursé, Yanama Du template. La ouais, bah, prochaine fois, je vais préparer. Promis. Bah, les scripts, on va les charger à la fin. Hein. Je pas venir plaindre à Valaine. Euh, pas pour l'instant, non. Euh, J'ai vu l'interface et ça avait l'air tellement horrible que je me suis dit, bon, je vais attendre. Hein. Alors, ensuite, on a notre page index.blade.php. Et dans cette page-là, on va mettre les différents biens. Alors, je crois que j'avais prévu déjà une page qui ressemble à ça. Donc, ça ressemble à ça, la page des biens immobiliers. Donc, on va. Euh... Pourquoi on a tous ces trucs-là là C'est la page index. Listing. Ah non, elle est là. Ah oui, elle est beaucoup plus propre. Donc, on va reprendre euh, ça. Et on va le mettre dans notre index.blade.php. Ça inclut euh, la partielle de recherche, qu'on s'en fout. Et après, euh, ça inclut des biens. Donc, là, on va faire une petite boucle. Alors, comment on fait une boucle en la euh, On va faire un each. <laughs> Dollar $Items as item. Ça représentera chacun des biens immobiliers. Et on fait notre end for each. Euh, Est-ce que. Oui, je peux récupérer la clé, là. Voilà. Et ensuite, je vais récupérer du coup le bien qui est ce code-là. Donc là, on lui dira si k est égal à 7. C'est ça que j'avais mis à l'origine. On veut. Property range. Je veux que tu rajoutes ça. Sinon on rajoute rien. Ok. Ensuite, on a un href qui mènera vers la bonne page, donc ça on s'en fout. Euh, on a l'image, donc là on mettra l'id de l'image, ça sera directement euh, $property ou $item. $item, et on récupérera l'id, qui est l'id que l'on a dans la base de données. Ah ouais, puis, is, il nous faut une php is, is big égale ça. C'est moi, il comprend rien la syntaxe, là il écrit un peu n'importe quoi. Pourquoi il me souligne tout ça moi, je ne sais plus écrire un, une boucle ou comment ça se passe C'est censé fonctionner ce truc-là. Euh, là on mettra is big. Is big, si c'est gros, dans ce cas-là je vais mettre ça. Là on mettra if. if. Non, désolé, hein, je ne suis plus du tout habitué à faire du... Je fais tellement de, de tweaks, de react et compagnie que le, le blade je l'ai laissé un peu de côté. Euh, et du coup je suis complètement paumé là. Et ça se voit, je pense. C'est pas comme ça. Ah. Ok. Ok. Euh, voilà. Et après on a le reste. Hein. Euh, donc là on a l'image, nina. Là, on va avoir le postal code, donc ça sera item postal code. Ensuite, on aura ici la ville, donc ça sera item, ensuite city. On aura le titre de, du bien, donc ça sera dollar item title. Le nombre de mètres carrés, je ne sais pas comment j'allais sauvegarder ça dans la base de données. On va mettre item size, je vais juste regarder à, à quoi ressemblait mon cider sur un coin de l'écran normalement donc ça devrait pas être trop compliqué moi j'avais mis size pour la taille en mètre carré c'est pas ouf et euh, le prix on va mettre euh, bah, dollar euh, item price bah, à chaque fois que je viens sur les devs je me dis que tu es vraiment génial mais les technos que tu présentes m'intéressent jamais malheureusement bah dit tu n'hésite pas si si tu as des suggestions de trucs qui peuvent t'intéresser euh, faut pas hésiter à suggérer Undefined constante i. Oui, ce n'est pas une constante ici. Ça sera item size voilà en mètre carré. Et là, ça sera le titre. Je ne sais pas pourquoi je m'emmerde oh, à ce niveau-là. Mais... Sachant que la semaine prochaine, on fera peut-être du Node.js. Je ne sais pas si c'est une techno qui t'intéresse un petit peu plus. Mais voilà. Euh, et donc là, on va prendre pixum.photo. Et je crois que ça fonctionnait comme ça. Pof! On avait dit que les pieds, on n'aimait pas. Hein, C'était bizarre. Hein. Donc, on va rajouter un 4 ici. La clean architecture. Ah, putain, alors là, je vais passer deux heures à faire un exemple. Hein, si on fait ça. Euh, donc là, on a notre système. Et quand je clique, j'aimerais bien aller sur un bien. Et enfin, on aura notre foutu formulaire. Et on pourra tester euh, voilà, live wire. C'est quoi mon micro Merci, Romain. 9 mois GG. In. C'est quoi ce second truc Le logo In Triangle We Trust <laughs> il, il est... On va te payer un compresseur. Le volume va faire plus 1000 décibels. Ben, en fait, je te l'ai dit, c'est un zoom machin, mais le problème, pas le c'est pas le micro. Le micro, il marche bien sur Windows. Il marche pas bien sur Linux. Linux, il n'y arrive pas, quoi. Euh, et vu que c'est pas vu contrôle qui fonctionne sur euh, PACL et puis tu comprends rien à ce qui se passe, il voilà, le... y, y, a, y a trois choses qui sont difficiles à faire fonctionner sur Linux c'est le son, le Wi-Fi et l'image. En dehors de ça, c'est parfait comme, comme OS. Quoi. Euh, donc, si une fois on peut faire un réglage, oui, mais j'aimerais bien que le réglage soit en amont correct en fait. Parce que si j'up comme un gros port les décibels sur. Euh, sur. Euh, enfin, j'imagine que c'est mieux que le, le son en entrée soit déjà bon. Parce que là, là le, si le son en entrée est à moins 30 décibels est-ce que l'augmenter, c'est pas horrible ben, Si vous voulez, on, on peut rajouter des filtres, hein, je suis là. Hein. Je peux augmenter le gain déjà. Là vous m'entendez mieux. Alors augmente pas le gain comme ça. Ajoute un compresseur. Ajoutez un compresseur. Compresseur c'est pour qu'on fait des ballons. Hein. Je fais quoi là <laughs> Aidez-moi, il n'y a pas de cours, moi j'y comprends rien. Ratio 4. Attends, attends 4. L'attaque 2 millisecondes punaise ça attend même pas release 100 millisecondes 100 millisecondes le gain en sortie c'est là où vous allez me faire monter le truc comme un porche je le sens le problème du gain ouais c'est ça maintenant je peux Oui, voilà. J'ai parlé pas fort. On n'a pas, on n'a pas touché le seuil, hein, ni ni la, le gain en sortie. D'accord. Donc je, je teste de parler normalement. Voilà. Je teste d'augmenter le son. Voilà. Là, là, ça commence à être rouge, non jaune. Non, si je jure, ça va être horrible. Là, on m'entend. Attendez, je vais m'écouter pour voir si moi-même je m'entends. Ouais, mais c'est pas le truc qui coupe automatiquement. Et là, je dois gueuler. Attendez. Attendez. Ouais, D'accord, ça, ça défonce le bruit, quoi. Mais si je fais ça par-dessus... On le met en dessous. En La suppression du bruit, attends, ça se met en dessous ou au-dessus Au-dessus, c'est avant. <rire> <rire> ok. Et ouais, mais après je ouais là je gueule un peu par exemple. Et là ça, ça passe un peu dans le rouge. Là, je un peu, ok. Alors attendez. Le seuil, si je l'augmente, ça, ça fait quoi Et là, si je le diminue... <laughs> en fait, vu que j'ai pas de retour, c'est l'horreur. En fait, vu que j'ai pas de retour, c'est l'horreur. Attends, mais du coup je m'entends en boucle, c'est l'enfer. Euh, diminue quand tu parles fort, ok. Jusqu'à ce que ça, ça, ça aille pas trop dans le rouge. Voilà. Là, ça va pas trop dans le rouge. Ça donne quoi, là Test. Ça donne quoi, là Test. Ok. Passe à monitoring. Oui, mais il a rien qui marche sur Linux. Je peux pas avoir la... Je... Est-ce que vous m'entendez bien Et là Est-ce qu'on m'entend Et là Ok, là, c'est cool. Du coup, que tu parles fort ou pas fort, tu auras un son identique. Ok, bon en vrai c'est propre, on va pas trop toucher. <laughs> Moi je viens de se jeter dans le feu. <laughs> What the fuck C'est quoi as ton setup quand t'as le feu juste à côté de toi Tu me vois un chat. Ah, je suis désolé. Merde. <laughs> c'est de bas en haut. Ah mais du coup euh, comment il euh, Alex il avait l'air de dire faut mieux mettre le bruit avant le, le, le compresseur Ah non c'est de bas en haut Ok bon bref donc là si je gueule ça passe euh, vous le voyez, vous voyez pas de différence C'est chelou <laughs> c'est bizarre <laughs> bon, j'écouterai la rediff et je verrai euh, je verrai comment ça se passe. Ça sature. Ouais, mais en fait, je comprends pas que le compresseur augmente aussi. C'est parfait, mais ta voix est modulée un peu chelou. OK, oui, mais si je parle de manière constante, ça devrait être modulé normalement. Le problème c'est si je parle lentement et que d'un coup, je me régalais que c'est bizarre. OK. Euh Ah, ouais, ça doit faire super chelou du coup. Ah, ouais, mais en fait, j'ai pas envie que ça monte. Ouais, bon, je sais pas, bref. Vous me direz, vous me direz si c'est horrible, on, on passera à autre chose. Mais là, on va quand même essayer d'avancer sur, sur l'objectif de base. Euh, mais je sais après ça un peu plus en profondeur euh, de mon côté. Après, j'aime pas. Ben, ouais, voilà. C'est un plugin VST Je me demande si le zoom n'est pas stéréo. Oui, le zoom est stéréo, hein. Il y a, euh, ça se voit pas, mais attendez. Tu vois, t'as deux petits. Je vais essayer de pas me débrancher le micro, mais t'as deux petits trucs comme ça, t'as. Bref, t'as deux trucs. Et du coup, euh, c'est stéréo. Donc, j'ai deux, deux, deux endroits. Il y en enfin, a à droite et à gauche. Genre là, tu entends que de droite, et là, que de gauche. Bref, son 3D, tout ça, tout ça, quoi. Toi-même, ouais. tu sais. Maintenant, on va créer l'autre page. On va créer euh, une property, on va l'appeler show. C'est le truc qui se transforme en, en config. Euh, T'as le son en mono dans OBS. Non, vous l'avez dû dans un stéréo, on est d'accord Quand j'ai tapé là, vous l'entendez de l'autre côté. Ouais, on en a les moyens, stéréo, tout ça, tout ça. Hein C'est ça qui fout le bordel. Il n'y a pas besoin d'expander. J'y comprends rien, votre truc, là. Vous me ferez un tuto. Faites-moi un tuto. Configurez son OBS pour les teubés. Et, euh, et euh, je le regarderai. Et après, euh, et après je, je dirai, voilà, j'ai fait ma config tout seul, comme un grand. J'ai tout compris et tout. Euh... Ah ouais, non, c'est... On est parti, live LiveWire, euh, into... Euh, into euh... Into config OBS quoi. Il y a des soucis de phase là, j'ai l'impression. Les phases c'est dans Star Trek les phasers. Euh, si tu veux je peux tester d'autres trucs. Hein. C'est peut-être le relâchement qui met trop de temps et ou qui baisse trop ou il y a le ratio qui va pas, enfin je sais rien. Ben live voyeur ça a l'air nul. Alors merci. Euh... C'est lequel que je dois prendre C'est en anglais, mais cette personne est géniale. Oui, mais quelle personne Il y en a plusieurs. Alors, maintenant, je vais quand même créer le, le show. Dites-moi dites si la voix est complètement défoncée, parce que moi je l'entends pas. Et si c'est complètement défoncé, on revient sur l'autre système. Et puis après, on, je le referai bien en... À... En séparer quand je pourrais avoir du monitoring tout ça tout ça quoi. Alpha Gaming, ok. LiveWire, c'est un Inertia bis. Alors non, ça a l'air d'être vraiment complètement différent pour le coup en termes d'approche. Ça a l'air de, de, de vouloir fonctionner avec euh, le PHP qui va piloter les composants quoi. Euh, donc c'est, ça a l'air vraiment vraiment chelou. Euh, je te mentirais pas. Donc là, je suis en train de juste me créer un petit template pour pouvoir tester la partie formulaire. C'est cette partie-là qui m'intéresse vraiment parce que j'ai envie de voir comment ça se passe avec les règles de validation, tout ça, tout ça. Donc là, on se construit vite fait ça et juste après, on va pouvoir tester justement LiveWire dans un cas concret plutôt qu'un simple compteur. Euh, donc tout ce qui est images là, donc toutes les SRC images, on va mettre slash. Voilà, on s'en fout du reste, franchement là on sent rien à faire. Euh, ce qui nous intéresse, c'est ça pareil, on s'en fout complet. Voilà. Euh, ça on va s'en foutre aussi. On va mettre 4-0. Voilà. Euh, ça on s'en fiche. Ouais. Euh, on s'en fout aussi. Pom pom pom. Ouais, on s'en fout. Et on s'en fout. Bref. Donc on devrait maintenant avoir notre page qu'il va falloir rendre accessible. Donc dans notre web.php, on va lui dire lorsque je vais sur slash bien slash euh, l'id d'un bien, on va l'appeler property, j'aimerais bien euh, voir le bien en question. Donc on va aller sur slash bien slash1 et je devrais voir mon bien euh, sur la page show. Donc ça ne fonctionne pas forcément correctement ici parce que je n'ai pas appelé le bon contrôleur au niveau de notre web et je n'ai pas appelé la bonne action. C'est chaud. Euh, je clique comme ça, et là j'ai mon bien avec. Un nez de chat, ben voilà, je t'ai rendu ton chat, euh, il est là. Vous utilisez beaucoup trop d'outils, déjà un zoom machin comme micro, je ne suis pas convaincu. Plutôt qu'une vraie carte. Alors il faut savoir que moi je suis une, une, vraie, une, une vraie merde hein, en termes de trucs, Matos, j'y comprends rien. Euh, le zoom machin, il avait l'avantage d'être facile à utiliser pour moi. Euh, donc, je vous conviens que ça ne doit pas être le meilleur micro, mais pour... quand je suis sur Windows, j'ai moins de problèmes. Là, c'est le, le son en entrée qui n'est pas bon et c'est lié à l'OS plus qu'au plus qu micro. Après, il a peut-être 12 ans, donc c'est peut-être ça aussi qui, qui joue. Donc là, j'aimerais bien que quand je clique sur Contacter l'agence, j'aimerais bien voir mon formulaire, basiquement. Donc, ça veut dire que ça, on doit le transformer en composant, vas-y, si, si je comprends bien. J'ai déjà des panneaux anti-réverb, je sais pas si ça se voit mais j'ai déjà j'ai ça là. C'est la mousse des youtubeurs là qu'ils ont tous. J'en ai mis un peu. Mais c'est que bah en fait, je suis vraiment dos à un mur en fait. Ouais bah allez voilà, j'ai des sur a la mousse nulle. Bah oui oui, mais c'est mieux que rien. Prends l'argent des abonnés, achète-toi un micro, mais c'est pas le problème que du micro. Oui, c'est la mousse toute pourrie. Mais je suis. En fait, je suis dans un angle et tout, donc c'est pourri. Une... Bref, euh, Alex et Romain viendront chez moi me faire une install. Alex viendra me monter une tour. Et euh, Romain viendra me faire le setup son. on fera ça en live. Voilà. C'est ouais, il... trop bien, hein? <laughs> le mec, qui lance les sujets, tu sais. <laughs> en mode tranquillou. Euh, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Donc... Ben, commencer à créer ce, ce fameux composant. Donc ce composant là, on va euh, s'imaginer que ça va être... Euh... Bah, le problème, c'est que ça, ça nous fait créer pas mal de templates. Hein. Bon, on va, on va créer le composant et on va l'appeler Property Action. Qui va nous permettre de contacter en fait euh, quelqu'un. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer cette partie-là à l'intérieur justement de cette action-là. Donc on va aller dans notre property action.blade.php et on va y mettre ce code-là. Et on va le mettre, on va lui dire if, ah putain, arrobase euh, if. Donc on va s'imaginer qu'on aura une propriété state et on lui dira si le state c'est euh, form, on affichera un formulaire. Et si euh, c'est pas formulaire, dans ce cas-là, on affichera autre chose. Et l'autre truc qu'on affichera, ça sera justement notre fameux formulaire qui était comme ça commenté dans le code. Ici. Comme ceci. Ce qu'il me faut faire maintenant, c'est lui dire à ce niveau-là j'aimerais bien que tu utilises ce composant, euh, ben, le composant qu'on a créé. Moi, je suis chaud, faut juste que les 3080 soient dispo. Oh non, mais on va passer chez AMD. Hein. En même temps, t'as pas besoin de, de prendre une 3080 étant donné que j'ai un PC qui a, qu a, qu a 7 ans. Tu prends n'importe quelle carte graphique récente et je pense que c'est mieux que ce que j'avais. Euh, euh, donc maintenant, comment on fait ça là Je me souviens déjà plus, merde. Fuck. Comment on charge un composant avec l'iWire Pourquoi il sonne ce téléphone il n'y a plus rien en vente en termes de crat gra graphique. Ah ils ont arrêté de les vendre, ils ont dit c'est bon, on en a marre, on veut plus de l'argent. Ah, merde, c'est où le compteur Ah, il est là. Donc là, on va créer notre composeur Notre composeur notre composant, et c'est property-action. Donc si je réactualise la page, je devrais avoir okay. quelque chose qui bug parce qu'il va me falloir créer le state. Non mais là, là c'est bon là on, a, on y est presque à ce formulaire. Donc je crée ici euh, une propriété publique state et par défaut je lui dis qu'on est en bouton. On va l'appeler buttons. Je réactualise la page et là on a nos boutons. Quand je clique sur contacter l'agence, j'aimerais bien que ça déploie mon formulaire. Donc là on va on va l'appeler public function show form. Et on fera un return et on lui demandera de rien faire, on fera un vice state et on changera l'état en forme. Je vais dans mon show ici, euh, non, dans mon property action, et je vais dire quand tu cliques sur ce bouton là, j'ai déjà plus les, les trucs là, c'est wire de point click, je veux que tu appelles la méthode show form. <laughs> Il y a trop de trolls pour appeler les modos. Il n'y a pas de modos encore. Euh, et puis... C'est les habitués qui trollent en plus. Tu peux utiliser le raccourci pub F pour créer des méthodes publiques. Pourquoi je reçois des notifs, je capte pas Pub F Et pourquoi tu me l'as dit que... pourquoi tu me dis ça que maintenant Ah ça marche pas avec privé Je suis déçu fallait me le dire avant ça ça prive ah oui c'est trois lettres et constructe t'as un truc pour constructe Ah, const. je suis sûr que const, ça marche fuck oh. Ah, <laughs> tu fais bien dans score dans score c'est aussi long c'est aussi long constru ah oh. Mais pareil, ça, ça, fait, ça fait plein de lives que vous me voyez. Ouais, mais c'est des snippets, mais je ne les connais pas, moi, si on ne me les dit pas. Si personne ne me prévient, je n'ai pas, pas la newsletter des, des snippets, quoi. Donc là, quand je clique sur contacter, il me dit que ça ne marche pas. Parce que j'ai appelé la méthode chez showform. Alors, si tu crois que je vais aller dans l'éditeur chercher les snippets. Alors, je vais dans l'inspecteur. Donc. Tout à l'heure, on se posait la question, effectivement, euh, comment, lui, il fait pour connaître l'état. Ma théorie, c'est que, globalement, il doit euh, avoir... Il doit renvoyer l'état à chaque fois, quoi. Je vois pas d'autres solutions. Si je clique sur « Contacter l'agence » ici, dans la partie euh, « Headers », il envoie un fingerprint. Ouais, on s'en fout. Un serveur mémo qui, à mon avis, les données mémorisées. Ok. Et après on a un update qui précise la méthode à appeler. Alors la question que je me pose, c'est tiens, si on a un truc pourri en termes de mémoire, imaginons on a un objet énorme, est-ce qu'il va le transmettre systématiquement Et vous ne voyez pas à cause de ma caméra. Ah ouais, c'est une bonne remarque. Hop, merde. Attends, deux secondes. Euh, je coupe ma webcam. Donc ici, je disais qu'on euh, a le serveur mémo qui donne le, qui contient les données. Et Ensuite, on a updates qui contient les, les choses. Donc, ma question un peu naïve, c'est de me demander est-ce que si jamais dans le mount j'ai un truc énorme Si on s'imagine qu'on a une fonction publique, on, l on va l'appeler démo et euh, on va dire que c'est un tableau vide. Et euh, j'ai une fonction apparemment que je peux utiliser qui s'appelle mount. Et euh, dedans, je vais lui dire for $i égale 0, i inférieur à 100 et i. Et j'aimerais bien que tu euh, remplisses des mots de i, comme ça. Donc l'idée, c'est de créer un faux tableau gros pour voir. Et euh, ici, j'ai tapé un caractère qui n'a pas de sens. OK. Donc là, j'ai bien mon formulaire. D'ailleurs, est-ce que j'ai 100 du coup items à ce niveau-là euh... Donc, on voit que dans les données, ici, on a 100 trucs. Ce qui n'est pas ouf. Mais bon, en l'occurrence, c'est un état, donc c'est normal. La question, c'est est-ce qu'il va le renvoyer au moment où on va resoumettre ça Je clique sur « Contacter ». Et là, dans le « Fingerprint », plutôt dans le serveur « Memo », il transmet au serveur toutes les datas. C'est pour ça. Et dans le « Preview », ici, j'imagine qu'il va recevoir les datas, quoi. Les nouvelles data. Ah, alors ça par contre c'est intéressant. Il ne reçoit que les données qui ont changé, pas toutes les données. Alors, je vais essayer de trouver le moyen de désactiver les notifs de, de WhatsApp là. C'est un enfer ce truc là. Comment on fait Je ne comprends jamais rien. Euh... Plus de paramètres. Si je veux pas que ça vibre. Plus de paramètres. Ah, c'est un son de notification. C'est comme on fait pour désactiver. Ah, putain. Trop compliqué. Aucune. Voilà. Ah, fuck. Attendez, j'y comprends rien. J'y comprends rien, ça m'énerve. L'interface des, des notifications et de la gestion des notifications plus généralement de. Comment s'appelle de, de Android, je trouve que c'est le truc le plus compliqué qu'il existe sur Terre. De loin, hein vraiment. Non, pas de compresseur sur les notifs, je vous en supplie. Euh... Ok, donc là, on a notre formulaire. Donc on voit que ça nous renvoie toute la, tout l'HTML, ce qui est logique. Euh... Et ça nous renvoie que l'état qui a changé. Par contre, dès que je clique ou je fais quelque chose, ça renvoie un peu tout l'état, ce qui est un peu, un peu relou. Alors, est-ce que j'ai pas loupé des choses à ce niveau-là? Nesting components. OK bon peu importe. Alors maintenant on va faire de la validation. Moi j'aimerais bien valider les données. Donc on nous explique que qu'on euh, doit valider les informations. Ah. Hein? OK alors ça c'est un peu particulier. Je m'attendais à valider les choses plus classiquement en fait. Voilà, vous avez rematé. Ok, donc pour valider les choses, on a quoi dans ce formulaire On a le pseudo, l'email et le message. Donc on va prendre les règles de validation qui sont donc en protégé. On va enlever ce démo, c'était juste pour l'exemple. Et on va avoir donc le name qui sera required avec minimum 6 caractères. L'email et le message qui sera lui aussi required. Oui, tu peux poser des questions techniques qui n'ont rien à voir avec le sujet, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a une fonction submit qui va soumettre les choses et qui se charge donc de valider les informations. Jusque-là, pas de souci. On imagine qu'on exécuterait quelque chose et peut-être on aurait un dernier état qui serait success. Et ça continue de vibrer, mais c'est un enfer! Euh... Ah, attendez, attendez, attendez. Je vais trouver. Vibreur par défaut. Désactivé. Ah non, en fait, c'est l'appli qui est à chier, quoi. Ok. Euh, ok, à bah, première vue, ça a l'air simple. Alors sur les inputs, on nous dit qu'ensuite on peut faire un wire de point modèle et euh, câbler les choses. Alors c'est là où j'ai un gros, 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 gros doute de comment ça fonctionne. Donc on va euh, câbler ce, ce champ-là. Alors moi je l'avais appelé euh, name, mais on, on, enfin username, mais on va le renommer name. Ensuite, ici, on va câbler le champ qui va s'appeler email. Pas sur signal. Ouais, mais j'ai déjà essayé, moi. je crois qu'on en est revenu, je ne sais plus pourquoi. Et les gens là ils sont sur WhatsApp, mais c'est l'enfer euh, parce que j'ai des gens sur WhatsApp, j'ai d'autres gens sur machin, euh, je n'ai sur Skype, c'est l'enfer. enfer. Un sponsor Blue Yeti. Bah, apparemment les gens disent que Blue Yeti c'est pas bien. Ouais, je sais pas qui dit ça, mais. Euh... J'ai des clients sur Skype, ouais ouais ouais. ouais. <laughs> Et après quand on soumet. Ah d'accord, donc on a un wire submit, ok. Bon, à première vue, c'est classique, si ce n'est que ça fait des, des attributs HTML un peu chelous, mais ça devrait être classique. Donc, je clique sur Contacter l'agence. Euh, J'ai mis un truc en trop. Et là, je tape un pseudo. Putain, c'était rapide. Ah, il faut du coup avoir des propriétés publiques, j'imagine qui correspondent aux différentes informations. Donc, une pour le nom, une pour l'email et une pour le message. C'est là, là où j'ai l'impression que ça va être dégueulasse. quoique. Ouais, le, le code est zoomé à fond. Attends, je vais peut-être réduire, mais c'est parce que j'ai un range train de cet après-midi. Je vais le remettre à 18. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'il a fait là Qu'est-ce qu'il m'a fait Quand j'ai tapé J. Il a appelé et ensuite quand j'ai tapé haut il a appelé. Mais après il s'est arrêté. C'est chelou ça, non? Ok. Et là on va mettre s'il y a des erreurs, je veux des erreurs. Ça c'est euh, voilà, ça c'est pas ouf par contre. On va les mettre dans le label. En fait, ce qui n'est pas ouf, c'est que j'ai pas prévu l'espace. C'est ce que j'avais disé la dernière fois. C'est que je n'ai pas été très malin. Et que je n'ai pas prévu l'espace. Donc si on a une erreur pour le name, on l'affiche là. Attends, mais comment il récupère le message d'erreur Bon, ben je continue. On va pas trop se s'embêter, se... voilà. Et ensuite, on affiche le message. Ah non, on va mettre. Ouais, du coup, message, ça va rentrer en collision avec l'autre truc. Oh euh, on va mettre content. Voilà. Alors je clique sur contacter l'agence. Je tape un pseudo qui n'est pas bon. Je clique sur commenter. Euh... Non, je lis, je lis le chat, mais c'est juste que vous, vous allez... Il n'y a, a, ben a rien. Je ne vais pas répondre à Minty. Sinon, c'est lui mettre, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Donc là, la question, c'est. Alors déjà, il y a deux choses que je ne comprends pas. Le premier, c'est que quand je tape ça, pourquoi il s'arrête au bout d'un moment Si je regarde la réponse, il me dit Voilà le name. Ben, c'est très bien, j'en suis très contente de toi. Mais c'est tout ce qui est fait. Alors, si on tape plus lentement, peut-être. Ah Non. Alors, je suis peut-être un peu teubé, mais j'ai bien suivi la, la doc là. J'ai créé des règles de validation. Ah, peut-être mon bouton est pas de type sub... non, mon bouton est de type submit. On est d'accord. Quand je poste, il se poste, comme si ce formulaire-là était complètement ignoré. Et toi, j'ai vu ta question, mais quelqu'un t'a répondu du coup et il t'a donné la bonne réponse, quoi. C'est locomotive js, effectivement. Alors là, j'ai dû louper une étape. Peut-être retirer l'action. Ils n'ont pas mis d'action. Hein. D'accord. Ouais, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison, on va tenter ça. Non, je me demande si j'ai pas merdé avec un formulaire qui serait imbriqué dans autre chose. Non, il soumet quand même. Il soumet le formulaire, c'est super chelou. En fait, il y a plein de choses cheloues. C'est le fait qu'il s'arrête de poster là. J'essaie de comprendre ce que j'aurais pu merder. C'est pas dû au fait que tu changes le state Ouais, mais on est vraiment sur le cas simple. Alors tout à l'heure, quand on a fait l'introduction, il nous a dit si ça marche pas, euh, faut mettre un, un mount avec un truc spécial. Attendez, on va re revoir ça là. Après, je réfléchis. Hein. Euh, on a bien name, email, message. Aïe, aïe aïe Si je m'attendais à rencontrer un problème dès le début, quelle surprise. Alors on va regarder s'il si a greffé un événement sur le formulaire. Déjà ça peut être un bon détail. Donc là on a bien le submit.prevent et on va regarder les event listeners qui sont branchés dessus. On va regarder si on a un event au submit. Et on voit que clairement, on n'en a pas. Ce qui me fait dire qu'on a un petit souci à ce niveau-là. Parce que clairement, je devrais en avoir un quand je sélectionne mon formulaire. Parce que s'il si il vient greffer son comportement, il doit y être. Quoi. Alors, ce qu'il est possible que j'ai fait, c'est que je me sois gouré dans le. Dans le câblage, on va mettre peut-être une div supplémentaire. Peut-être c'est ça qui le gêne. Donc je réactualise. Hop. Oh. Ok. Il y a une div. Là, il y a le submit qui fonctionne. What the fuck Alors là, je tape. <laughs> <laughs> Premier bug! Ok, donc il faut une div. Euh, il faut une div. Alors, par contre, est-ce que si je mets une section, ça marche? Ouais, je pense qu'il faut une div à la racine en fait ça doit être écrit, alors quelqu'un va me trouver que c'est écrit dans la doc et que je suis un con et que je devrais lire mais voilà, euh, à mon avis il faut une div on va tester ça ouais c'est ça ouais c'est un peu comme le problème de Vue.js ouais c'est ça, c'est exactement ça je pense qu'il aime pas le fait qu'il y ait une condition à la base quand un component est créé ça le dit dans le fichier blade non ça me disait juste que be like water my friend c'est tout ce que ça me disait au début alors, ça fait une requête par lettre tapée. J'ai l'impression que ça groupe un peu, mais... Non, 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 ça groupe pas du tout. Ouais, ça groupe un peu si tu y vas comme un hystérique. Mais si tu y vas lentement, et j'estime y aller à vitesse humaine, là, ça fait ça. Clique sur commenter. Et on a une erreur. Message, note... Oui, ben, en même temps... On était d'accord quand j'ai lu le code de tout à l'heure sur la validation. J'ai moi-même fait la remarque comme quoi un message n'existait pas et que ça me semblait bizarre. Ah oui, non, 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 non c'est moi qui ai dit de la merde. Alors, je fais ça, je clique sur commenter et là, effectivement, j'ai les règles de validation. Alors, clairement. Euh, je suis pas fan de ça. Donc la question, c'est effectivement, comme tu le dis à Milti, c'est que c'est pourave si on fait ça, parce qu'on ne peut pas s'imaginer poster toutes les demi-secondes à un serveur. Euh, Est-ce qu'on peut avoir une validation qui n'est pas real-time, en fait Il n'y a pas un autre truc qui parle des formulaires, là D'accord Ouais, ok. Alors toi tu me dis modèle point defer. Alors peut-être c'est dans les attributs, je vais je vais lire ça. Est-ce que, que tu penses que Benjamin Code est dans la même niche de viewers que toi Alors concrètement, déjà, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une notion de niche, euh, sachant que les développeurs, c'est déjà la niche. Est-ce que ça monte en puissance sur Twitch et YouTube Alors moi, je suis déjà sur, je suis sur YouTube depuis tellement longtemps, mais on n'est pas du tout dans le même créneau. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment des tutos. C'est-à-dire que c'est boring as fuck. Euh, pour les gens qui s'intéressent plus généralement au, 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 à tout ce qui tourne autour du dev, c'est vraiment purement technique. Désolé pour votre. Ah mais non, j'ai le compresseur. C'est purement technique. Euh, ce que fait Benjamin, ça va être plutôt, c'est plutôt lié au blogging entre guillemets pour moi, tu vois, parce que il va pas forcément aller dans des explications super techniques. Euh... Et, et du coup, c'est pas le même style. Je dirais que les gens qui tombent sur ma chaîne, c'est plutôt des gens qui veulent apprendre l'HTML, le CSS, le JavaScript, tout faire du Symfony. Et ils ne seront pas forcément. Euh, tu vois, on n'est pas dans la même catégorie, quoi. À mon sens. Mais après, je regarde ces lives et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, mais on n'est on est pas du tout sur le même domaine, je pense. Euh, ouais. <laughs> il était par Samuel Etienne. Mais il a très bien géré d'ailleurs ce raid. Très 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 bien géré. J'ai vu des gens paniquer complet et il a bien géré. Bah, LiveWire, ça a l'air d'être. Euh, tu peux faire un genre de React, mais côté. Euh, côté euh... Alors par contre, le défaire. Je... wire de modèle. C'est où que tu vois les attributs en fait a Common case. Design. Je suis en train de... Tu, tu Quelqu'un m'a de, 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 donné des et je voulais comprendre un petit peu de quoi il a retourné. Ouais, mais je pense que des faire va poser des problèmes, non Ok, donc on va tester ce, ce fameux defer. Donc euh, wire model ici, ici et ici. Ouais bah excuse-moi ça va des boons mais moi j'aimerais bien juste qu'il n'envoie les données qu'à la soumission du formulaire comme un vrai formulaire quoi il y a pas moyen d'avoir ça J'aimerais passer sur underscore de demi-code. À... Il faut être abonné, du coup j'ai pas regardé ces, 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 ces lives. Mais je sais pas. Après le problème, c'est que j'imagine qu'il faut se déplacer sur Paris et c'est loin de chez moi. quoi Ouais, mais ça a l'air de, de rien faire. À... attendez. Ah, là c'est plus intéressant déjà le defer. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent sur la doc de, du defer Hein, c'est pas une question de confinement ou quoi que ce soit. C'est je, 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 moi le transport, ça me j'aime pas le transport quoi. J'aime pas les, les longues distances et, et, et voyager. Et, et pour moi Paris c'est juste inatteignable quoi. Ah ok donc ça attend la prochaine requête mais ça ne lance pas une requête soi-même. Ok. Ouais bah ouais, clairement c'est c'est bah, exactement ce qu'on voulait pour le coup hein. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc là on aurait les, les, les erreurs de validation qui se mettraient, mais si jamais les données étaient bonnes, si on tape point ah est-ce qu'un merdant c'est que là tu voudrais tu voudrais vraiment que le, le champ il se dé. Ok. Donc là globalement il nous faudrait une dernière condition. Dans le show.blade.non euh, dans le property.blade, on mettrait arrobase else euh, si le state c'est success. Dans ce cas-là, on... on mettrait une div en mettant merci pour votre email. J'ai pas prévu de style sur ce site pour le. Donc je fais ça, je tape des infos, je me gourre, on me dit que ça c'est pas bon. Je fais aze.fr. comme ça. Je mets mon message, je clique sur commenter et on me dit merci pour votre email. Ok, c'est non, en fait ça va. Euh, maintenant je fais euh, un submit et je slip. Et on va imaginer qu'on a 5 secondes. On dort pendant 5 secondes quand j'envoie le formulaire. clique sur contacter l'agence, blablabla, bla, commenter. Et là il se passe rien, mon interface réagit pas et c'est super déstabilisant pour l'utilisateur. Alors j'ai cru voir hein, vite fait sur la documentation qu'il y avait un loading state. Alors on euh, est visible while, while waiting. Ok, when the checkout button is clicked, the process... Ok, if you want to avoid flickering because loading is very fast, you can add a delay. Ok, ça c'est super. Set a loading element displaces to inline block. Ah, tu veux dire qu'il laisse dans l'HTML ce truc-là En même temps, je suis con, c'est obligé qu'il laisse dans l'HTML, il voit une div hein, avec juste un attribut chelou quoi. You can also hide the element during a loading state using remove. Ouais, du coup, dans notre cas, ce qu'on pourrait faire, c'est. Par contre, t'es obligé d'avoir une div en fait, c'est ça qui est relou. C'est que j'aimerais bien cacher le bouton, mais. J'aimerais bien changer le texte dans le bouton. Il y a une classe. peut le faire sur une classe ouais ouais mais en fait moi j'aurais voulu changer le texte à l'intérieur du bouton ok bon bah c'est pas grave c'est pas grave en fait ce qu'on peut faire c'est créer un bouton euh... là ouais je pourrais mettre deux span mais ça me, ça me gêne d'un point de vue euh, hystérique de l'html hein. Du coup, c'est ça que je cache quand on charge. Et quand on l'affiche, je mets chargement. Et ça serait un bouton qui serait du coup disabled. Donc je, ré je réactualise, je clique sur contacter l'agence. Je fais ça. Je mets mon email qui est valide. Je clique sur commenter. Merde, ça, ça, j'ai pas. Bah, Je suis désolé, j'ai complètement. Mon cerveau, il a. Il a dit, I'm euh, Commenter. Ok, non, là, ça marche. En fait, ce qui est un petit peu con, c'est que tu fais des allers-retours serveurs pour des trucs débiles. Notamment, se contacter l'agence, là. Techniquement j'ai pas besoin de, de faire un aller-retour avec le serveur. Euh, donc c'est pas super pertinent quoi. Est-ce que côté SEO c'est bon euh, Je dirais que oui. Parce qu'en fait, quand tu regardes le code source, ton composant est bien là. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on a notre... Si on cherche le bouton contacter l'agence, il est bien là. Lui, il a entouré avec sa div un peu chelou. Merci Alex pour le gift. Merci, merci. Tu l'as donné à Mazoni. Merci, merci. Allez, plus que... Je sais pas combien ça fait, vu que c'est 50-50. Il faut 500 gifts et je peux avoir la, la 3000. <laughs> c'est le gros connard. Alors, est-ce que tu as déjà ressenti un jour d'avoir. C'est bizarre, les questions, tu les poses avec un. <laughs> J'ai tué mon chat. Euh, tu as déjà ressenti le syndrome de l'imposteur ben, je sais pas vraiment ce que... En fait, je sais qu'il y a beaucoup de devs qui en parlent. Mais je pense pas... Déjà, j'ai du mal à définir ce que c'est. Mais perso, non. Euh, ok. Mais du coup, est-ce qu'on peut avoir du JS Alors, je vais, je vais continuer à explorer la doc, parce que là, pour l'instant, on l'a fait en transversal, parce que je voulais faire ce, ce fameux formulaire. Euh, ça peut être intéressant pour certains trucs, mais je vous avoue que pour d'autres trucs, c'est un peu chelou, quoi. Normalement, on peut mixer avec Alpine JS pour avoir plus de réactivité côté front, notamment avec la. Ok, et Alpine est intégré dedans ou il faut l'intégrer aussi. Ah, ben bah, je crois que je vais avoir la réponse à ma question ici. Hein. In case where. Ouais, mais quel est l'intérêt de. Oh punaise. GG, j'aurais mis 5 gifts. Il vient de te dépasser. Oh punaise. Merci, merci. Il faut encore de top, quoi. Il veut son badge de secrétaire. Ça fait beaucoup de top 1 là. Attendez, j'essaie de comprendre à quoi sert ce truc de session. Que D'après vous, quel est l'intérêt de... Moi je reste top 2. De... Ah c'est là. La... Ouais mais... Ah du coup c'est le dernier. Non, c'est le... Alex il a donné quand Il a donné après, non C'est le plus ancien qui donné, qui est. Ok, qui est. qui est top. Du coup, c'est marrant. Est-ce que vous voyez l'intérêt de la session, là, du flash en session parce que finalement, qu'est-ce qui t'empêcherait de juste avoir une propriété <laughs> J'ai été sûr. Ah, petit concours. Alex passe deuxième. Train la hype. Ça nous donne des emotes super Non Je crois. Attends, on a quoi comme J'ai eu la dernière fois, j'avais eu un genre de crapaud tout dégueulasse là. J'avais celle-là. Le hype le hype ghost. C'est <laughs> juste pour tester le classement, lol. Ouais, ouais, pour l'instant, je suis pas partenaire, mais euh, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai pas assez de subscribers, ils font 75, donc c'est 50-50 pour l'instant. Ok. <laughs> oh putain. T'en as mis combien là Ah, chaud <laughs> Elle est plus que ça, Alex, après, et euh, après je peux avoir la tour. C'est le gros connard. <laughs> là, malheureusement, Jérémy, euh, t'es battu. <laughs> ça, fait, euh, ça fait beaucoup de top 1 hein, là, si on joue à Apex. Hein. <laughs> je tape des barres mais on jamais ce formulaire euh, ok non mais je regardais les trucs de session là c'était pas ouf les traits Et, attends, les redirections c'est quoi Il faut une redirection. ok est-ce qu'on on, on teste la pagination ou on teste de faire le formulaire sans aller retour serveur on voit que les salaires sont tombés lol d'ailleurs j'ai fini mon projet c'est bon. On a, on a mis en ligne un petit peu hier. Pas totalement, mais on a mis un peu en ligne hier. Déploiement difficile. Ouais. Donc il y a 50% d'entre vous, je pense, euh, ou un peu, je ne sais pas combien on en est, qui a, qui a un nouveau redesign sur Quant. Et moi, j'ai la nouvelle version. Ah putain, attendez, attendez. tu Attendez, je vois, pas, je vois plus qui c'est qui est dans le top du coup. Merci, merci Romain pour le, pour le top 10. Mais du coup, est-ce que ça compte pour les, les, les top 1 Apex? Si c'est toi qui donne, en fait, c'est de la triche. Quant, c'est le moteur de recherche français. Non, normalement, si vous avez euh, des cartes comme ça ici, c'est que vous avez la nouvelle version. Et si vous êtes en fond d'arc. Euh, c'est que vous avez la nouvelle version. Et donc, j'ai taffé dessus. C'est en React. Euh, ouais, c'est mon live le plus, le plus rentable pour le truc le moins, le moins fonctionnel du monde, pour le coup. Mais je ferai un article pour en parler. J'en ai discuté avec eux pour vous faire quelques explications sur comment ça a été fait. Et surtout que... Euh... Surtout de, de pouvoir parler avec le reste de l'équipe. Donc je vous, je vous en reparlerai parce que je suis en train de discuter avec eux sur ce, ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Et, euh, et l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions sur le côté technique. Et comme ça, après, euh, bah on, y répondrait, on y répondrait tous. Voilà. Et donc j'ai... <laughs> ça s'en finit pas. Ah oh, putain. J'ai 360% du train de la hype. <laughs> arrête là c'est mort quoi t'es encore top 1 mais bah, non non t'es plutôt top 1 Alex Mais en plus de sub que de vimeur ouais c'est clair l'enfer ils ont leur propre dev ils ont... on, est... on, était... on était plusieurs euh, je sais... on était plusieurs à travailler dessus et euh, en fait j'étais là en ouais. <laughs> je peux pas en aligner une Désolé, désolé. Ah oh putain, mais là, attendez, attendez, vous allez en donner trop là. Ça va vous allez en donner trop et du coup, je pense que tout le, monde va être, tout le monde va être Prime. Enfin, tout le monde va être abonné, ça va être le bordel. Ah ben bah là, je vais pouvoir m'acheter. C'est quel micro qu'il faut acheter du coup On va aller direct l'acheter quoi. Ah oh putain. Ok. Ah, il est à 400. Bon Alex, faut que tu redonnes, du coup, faut que tu repasses. <laughs> euh, non, non, la question c'est, est-ce que je peux tenter, du coup, d'être partenaire sans... Est-ce qu'il y a des gens qui sont partenaires, qui n'ont pas 75 subscribers en continu Parce que j'ai peur de me faire tège... Si je re redemande Parce que c'est vrai que ça fait chier le 50-50, quoi, pour le coup. Mais en fait, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que j'ai accès au petit bouton pour pouvoir le devenir. Je me suis déjà fait taige une fois, c'est pour ça. Ouais, mais Twitch, il m'a dit, je suis prêt. Alors j'ai fait OK, vas-y, je clique sur le bouton. J'ai ensuite demandé et ils m'ont dit, ben bah, non. Ah, tu seras en 50-50 en -50, partenaire aussi Ah, c'est 75 en moyenne. Ouais, mais c'est ça, je ne les ai pas forcément en moyenne. Ok. <laughs> Lior du coup il a pas eu son... Il a la donnée à tout le monde mais il a pas... Ah mais c'est bon on a une emote. Ah elle est trop bien celle-là. Et en fait quand j'ai de... fait la demande, je pense que je l'ai fait à un moment où j'ai pas eu de... Je vais pouvoir me payer plein de nouvelles emotes avec ça. Putain on a deux chats. Attends, 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 c'est trop bien. Elles sont trop bien. <laughs> on dirait un gopher le truc. Faut avoir 350 non offerts. Non, ok. Ah, merci Alex de réparer cette, euh, cette infamie. <laughs> C'est bon, Lior, tu peux profiter. T'as accès aux emojis. <laughs> Moi je participe pas. <laughs> merci Multi pour ton support. <laughs> C'est toujours plaisir. Euh. Ouais non, alors pour la question comment ça se porte, pareil, je pourrais pas trop m'exprimer sur l'état interne de la, de la boîte. Euh, non, j'ai fait du React chez Quant. On a fait du React avec du, du rendu euh, un peu à la Next, mais on n'a pas fait de Next. Et, euh, et c'était plutôt cool. Donc avec euh, trois autres devs en interne sur le côté front. Et euh, après, sur le côté back, moi, je n'ai pas trop communiqué trop avec, euh, avec eux, donc je ne sais pas exactement combien ils sont dans l'équipe. Mais il y a pas mal d'équipes. Il y a une équipe pour l'API, des équipes pour l'indexation et tout. Euh... Après, en vrai, ils s'en sortent pas mal, mais le truc, c'est qu'ils ils ont fait des choix qui sont bien pour l'utilisateur final, mais qui sont du coup compliqués à assumer. Tu vois, par exemple, contrairement à DuckDuckGo, ils ont décidé d'avoir leur propre architecture. Ce qui est cool, c'est-à-dire d'avoir leur propre serveur et de ne pas utiliser du cloud genre Amazon ou, ou Microsoft, Azure ou autre, histoire de, de continuer à dire bah, nous, on est, on, est, on est. Comment ça s'appelle on, on est sur nos données. On est... Bref, ils contrôlent leurs données. Donc, ça, c'est cool pour l'utilisateur, indépendant, merci. Mais du coup, bah, ça implique que c'est galère, quoi, parce que tu ne peux pas utiliser euh, les, gros, les grosses solutions de cloud qui, qui simplifieraient un petit peu le travail. Quoi. Voilà, mais si vous si vous repérez des bugs, ça sert à rien de les, les signaler parce que je, je, je... Bah du coup j'y suis plus quoi. <laughs> et vous allez les dégoûter après. Mais on a un mode dark, c'est bon. Et ça c'est quand même pas mal. Il y a un super mode dark et tout. Mais je, voilà, je vous en reparlerai. Et de toute façon, je ferai sûrement un live pour récolter vos questions. Euh, J'essaie de, de faire un petit peu le ah, tu l'as pas encore. Désolé. <laughs> C'est inf... de, de voir un petit peu si je peux avoir des avis, parce qu'au début je pense, enfin, je pensais parler que du front, mais je pense que ça peut aussi être intéressant de parler que de la part... de parler aussi de la partie back et comment ça fonctionne, sachant que ne sera pas que moi qui parlera. Ah, hein. Donc on... je me suis dit que ce serait intéressant aussi d'avoir l'avis des autres devs, parce que moi, bon, on m'attend déjà beaucoup trop, quoi. Mais voilà, je vous en reparle. Je suis en communication avec le, leur euh, leur équipe de communication pour voir ce qu'on peut faire et tout ça et pour organiser ça. Et C'est pas évident parce que voilà, là c'est une étape un peu de de, de, de mise en ligne et c'est assez assez compliqué. Mais euh, mais quand, quand ça sera un petit peu euh, quand la, la poussière se sera estompée, euh, on, on verra ça. Et ouais, je suis freelance. Mais clairement, pour en revenir à la question du haut, c'est ils ont déjà leur dev en interne, mais c'est juste qu'il bah, y a un gros, une grosse phase de, de, de crunch, comme le chocolat. Et euh, du coup, bah, pour, euh, pour un petit peu euh, alléger le travail, bah, tu fais intervenir de nouvelles personnes. Mais ils ont, tra enfin, le projet ne, ne fonctionne pas qu'avec des freelances, heureusement. Euh, hop. Alors, on nous dit qu'on peut utiliser Alpine.js parce que pour certaines interactions, c'est quand même plus logique. Donc, euh, ils ont entièrement raison. Euh, donc on va utiliser AlpineJS. Donc attends, juste au passage, Alex. Euh, du coup, t'es repassé Prums parce que t'es le dernier... Eh non, c'est pas pas logique en fait. C'est le dernier qui donne qui repasse, euh, qui repasse en second. Plus dur d'être freelance ou salarié ben, ça dépend, ça dépend. Euh, salarié, l'avantage c'est que tu as un salaire constant. Mais ce qui est plus chiant, c'est que tu as des journées constantes, c'est-à-dire que tu dois passer toutes tes journées au bureau et, et tu vas toujours travailler pour entre guillemets la même entreprise, sauf si tu, tu fais du, du, du company hopping, mais tu vas toujours passer sur la même, la même entreprise et donc ça peut être un peu plus chiant. Mais tu as une sécurité de salaire que tu n'as pas forcément en tant que freelance. Freelance, c'est ton propre patron, ce qui est cool parce que tu peux t'aménager tes heures et travailler comme tu veux. Alors ça c'est ce que te diront tous les freelances mais au final, ils travaillent dix fois plus que s'ils étaient en entreprise, euh, mais tu peux si tu as envie et euh... mais euh, qu'est-ce que j'allais dire Je vais y arriver. Mais voilà, après tu aussi ton ta portée de ton poste va être plus importante parce que tu vas devoir gérer ta ta boîte quoi, basiquement. Et donc ça, ça peut être un métier qui est un peu plus compliqué que simplement, que simplement le dev. Euh, alors là, mon idée, c'est de me dire que la partie toggle, affichage et masquage du, du formulaire n'a pas d'intérêt euh, avec un rendu côté serveur. Je trouve ça con d'appeler le serveur. Et même eux, ils ont l'air de le dire. Donc c'est pas con. Et ils te disent utiliser AlpineJS. Alors on peut l'utiliser, euh, je pense, avec du, du Laravel Mix, mais euh, la doc a craché. Vous savez quoi quit. Je vais, je vais utiliser un autre navigateur. Ça fait trois fois que ça crache. Euh, il y en a plein le, plein les bonbons là. Euh, voilà. Oui, ben vas-y, crache. Je m'en fous. Hop, on va utiliser brave. Voilà. Et on va voir s'il crache. S'il crache avec brave. Ah merde, il y a tout qu'à cracher, quoi, en fait. Ah. Ah. Ah, je crois que c'est tout mon Chrome qui a lâché. Alors attendez, je ne vois plus le chat, je ne vois plus rien. Je quitte les pages. Quel enfer. Alors, désolé, désolé, je vous ai perdu. Je vous ai perdu, je vous ai perdu. Je vous ai, perdu, euh, je vous ai retrouvé. Je crois que j'ai. Je ne crois pas que j'ai le mental pour être freelance. Je verrai fin d'année prochaine. Après, ce qui est bien là, s'il si y a des gens qui sont en, en entreprise et qui pensent être freelance... Le, le côté télétravail vous entraîne un peu et vous donne une idée de ce que ça peut être parfois aussi. Ça, c'est cool. Euh... Alors, je suis. Euh, J'ai une question concernant Node.js. Alors, ça peut paraître bête, mais comme je ne connais pas, tes tutos sont bi bien, aucun souci. Mais comment on fait pour installer Node.js en prod Au boulot, on a un serveur web. J'ai un accès à ces panels pour la gestion. Mais si je veux mettre Node.js dessus, ça se passe comment pour déployer Alors, je. Normalement, tu vas utiliser un truc, mais je ne sais pas si tu as la main sur le serveur pour l'installer, mais tu vas utiliser un truc qui s'appelle PM2, qui est un, un truc qui te permet de lancer des process. Après, tu peux utiliser d'autres trucs, mais moi, c'est ce que j'utilise. Et, euh, et PM2, ça te permet de démarrer donc, un process JS, et ça le maintient, ça fait du monitoring, ça fait plein de trucs pour toi. Et c'est ça que tu vas utiliser pour, pour lancer et maintenir le process. Je ne sais pas si ces panels intègrent un truc. Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Euh, je suis en train de faire mon site web je le code de A à Z et je voudrais savoir par quoi commencer euh, tu peux regarder les vidéos où tu cherches responsive ou mobile first sur graphic art et tu auras des tu as cette vidéo là qui t'explique un peu comment ça fonctionne et après sinon je crois que dans la formation CSS je pense avoir fait, euh, avoir fait une, une petite partie responsive voilà, donc tu l'as ici. Mais je crois que j'en parle quelque part, je ne sais plus où. Mais ouais, ouais bref. Moi, j'ai utilisé direct système D. Euh, ouais, tu peux utiliser système ça marche, D, ça marche bien aussi. Hein. Mais c'est plus difficile à. On va dire que PM2, tu fais PM2 start, boum, et ça part. Moi, c'est ce que j'aimais bien, en fait. Euh, J'utilise pour le bot Discord, en l'occurrence, et... et ça marche ça marche plutôt bien. Euh, alors, désolé, hein, j'ai complètement sidetracked là du coup. Euh, je vais continuer à faire mon truc. Donc, j'ai chargé Alpine. Non, j'ai pas chargé Alpine. Donc, on va charger Alpine.js. Alors, je vous avouerai que c'est pas un framework que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, on va aller sur la doc de Alpine.js. Euh, je pense que ça ressemble un peu à ce qu'on a vu la dernière fois. Et je vais être corporate. Paramètres. On va aller dans les moteurs de recherche. Allez, on va on va essayer. Euh... Hop. Voyons ce qu'il trouve. Et allez favicon, ça c'est pas mal. Hop. C'est du Node.js les bots Discord. Bah tu peux les faire en n'importe quoi hein, les bots Discord. Et là on a, alors allez, ouais, je, je vous avouerai que JS je connais pas du coup. C'est moi où j'étais redirigé vers ça. J'ai pas cliqué sur le bon lien, c'est ça. <laughs> Ah, c'est marrant, il a indexé LiveWire en prems. Il n'y a pas de doc pour Alpine Ah. Non, je, je m'attendais à une jolie page, en fait. Je, je, je suis super déçu. En fait, je m'attendais à une... Ouais, c'est ça, tu vas me renvoyer ici. Ok, non, non, mais voilà, c'est juste déception sur 20, quoi. Euh, ouais, ouais, non, mais quand je disais doc joli, c'était, je pensais à une doc, une vraie page avec des trucs euh, funky et tout. Euh... Ouais, ils n'ont pas encore de site web, c'est ça. Euh... Alors, mon idée, c'est de faire un, une condition d'affichage, en fait. X show sur l'élément. Ouais, mais alors, le problème du X show, c'est qu'on le verrait, quoi. J'ai un terminal SSH sur ces panels, ça suffit pour notre JS. Si tu as les permissions suffisantes, oui, ça suffit. Ok, donc de ce que je comprends, on peut mixer les deux. Il y, y avait l'air quand même d'avoir une petite, une petite explication de ça. Euh... Il y a l'air d'avoir une explication, mais en vrai, on s'en fout, en fait. En vrai, on peut utiliser les deux, il n'y a pas de souci. Désolé, j'arrive un peu plus tard, mais LiveWire, c'est bien du State Management côté serveur. Bah, tu as exactement compris le truc. Ouais, C'est un peu comme si tu gérais React, mais avec un aller-retour serveur pour les choses. Ça me fait penser un peu à, à Phoenix, euh, à ce que propose Phoenix avec les LiveView, mais en moins performant au niveau de l'approche en fait parce qu'il n'y a pas vraiment d'espèce de, 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 de virtuel d'om le premier exemple d'alpine c'est pour afficher caché celui là ouais mais moi je, je cherchais un moyen de, de masquer complètement dans le dom en fait mais je suis en train de me dire que je suis con parce que ça n'a pas fonctionné en fait parce qu'on va voir quand même ouais ouais on a le template textif non mais en fait c'est dans le rendu html que le, le moteur de euh, que que le, le crawler verrait, on verrait le truc quoi. Donc, si je change un peu mon ma logique, c'est que ça je le, dé, je le défais. Euh, je lui dis si state est différent de success, je veux que tu rendes tout ça avec un template. Alors, il faut d'abord un x data, j'imagine. Donc, on aura un x-data. C'est un peu chelou. Ça me rappelle Stimulus hier là qu'on a vu et qu'on a trouvé ça bizarre avec un open à false. Mm -hmm. Là on aurait un template. Est-ce qu'il y a un exemple du x if Donc on lui dirait x if open open est égal à false dans ce cas-là je veux afficher les boutons comme ça dans le cas contraire donc c'est si on a x open a ah tu veux dire qu'on peut faire ça ouais ok c'est pas c'est pas, pas con je veux que tu affiches tout mon formulaire Il y a non, non, il n'y a pas de XLS. Euh, en même temps, ça serait bizarre parce que tu, tu n'as qu'une balise. Euh, ensuite, du coup, dans le bouton, quand je clique, comment tu fais pour gérer les clics? X on click. Je veux que tu Ah oui, tu peux avoir une fonction. Mais est-ce que je peux pas lui dire YOLO hein, comme en Angular 1 Est-ce que je peux pas lui dire quand tu cliques, je veux que tu passes peu à trou Il faut être. Enfin, moi Pour moi, là, 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 ce que je vois, hein. euh, c'est atroce. C'est un mélange des genres. C'est horrible. Je ne me vois pas maintenir un projet qui serait écrit comme ça. Franchement, je vais être honnête. Je pense que c'est moins chiant de faire une API que de faire tout ça. Bref. Euh, je ne dirai pas pendant la vidéo, on est d'accord. Mais, euh, mais là, je, je vous avouerai que je suis circonspect. Euh, J'inspecte mon élément. Je dirais que c'est vraiment la, la solution géniale. Donc là, je fais ça. Là, normalement, on n'a pas d'aller-retour avec le serveur. Je tape mes trucs. Je clique sur commenter et ça ne marche plus. Euh... comprends pourquoi je peux inertia non 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 c'est très bien en fait alors du coup il faudrait que j'ai une div alors, je... ma, ma théorie c'est que globalement c'est la div qui, qui sert de racine ça l'emmerde de faire le truc là différent de succès sinon ok je vais quand même changer mon composant qui s'appelle property action Ouais, tu peux faire un code plus propre qui ressemble à la vue. Là, c'est juste que tu mets tout dans l'HTML. Oui, mais en plus, c'est le fait que tu mélanges Alpine et euh, LiveWire qui fait que des fois, tu as des XON quand c'est Alpine et des fois, tu as des Wire quand c'est euh, le côté rendu côté serveur. Quoi. Si tu veux du dynamique entre plusieurs pages LiveWire, ce n'est pas fait pour ça. Ben là, je veux juste poster un formulaire, c'est. un peu compliqué. Euh... Sauf si je n'ai pas compris l'intérêt, mais pour moi, c'est typiquement la situation où ça va être intéressant. C'est un petit élément dynamique au sein d'une page, ce formulaire de contact. Euh... Bon, bon, bon. Je pense que je suis pas mal là. Hein. J'ai mis de div et tout. Donc On va réessayer. Je clique sur Contacter. Je remplis mes trucs. Ah oui, non, je n'ai pas, pas changé ça. Euh, là, je voulais mettre que l'état par défaut, c'était euh, bad. On s'en fout. Et que globalement, il passait à succès quand on, on se met et que toutes les données sont valides. Ah, il y a 37 top 1 à faire. Non, ça va être long. Ah putain ça marche pas quoi alors on nous dit tu peux l'utiliser avec Alpine, ok ouais, mais Ah 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 Alors ma théorie c'est que le X-IF plingue tout parce que, euh, parce que ben, ça supprime l'élément et du coup, il n'arrive pas à se rebrancher dessus. C'est ma théorie, euh, théorie du complot. Euh, X show si c'est différent de open. Je pense que c'est une bonne théorie, en vrai. Je clique sur contacter l'agence. Je tape John. John.do.fr Je tape un message. Je clique sur commenter. Et là, ça marche. Par contre, je plus les erreurs de validation. Putain, c'est devenu. C'est l'usine. Je vais utiliser la e pour un sous-select. Premier select France-Europe. Après, autant utiliser Alpine. Ouais, non, parce que là, on veut la partie euh, Alpine, ça ne gère pas. Fin, c'est pour la partie traitement des données que ça m'intéresse. Non, mais ça marche ça marche en fait parce que là on a bien là, on a bien nos erreurs. Pff, wesh. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir d'après vous Ouais, bah, polling alors ça c'est bon. Ouais. ça ça date des années, euh, plus personne fait ça. Hein. <laughs> Et tu fais un point Alpine. Ouais, mais Alpine, tu peux poster un formulaire puis récupérer les data je, Franchement, si j'ai à faire ça, je préfère encore utiliser Stimulus du coup. Je ne peux pas être méchant, mais ça ressemble à une usine à gaz. Ben, ça ressemble à une usine à gaz. C'est une usine à gaz. C'est comme JS. Ouais, mais avec une syntaxe encore plus dégueulasse, quoi. Euh... Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais comment tu gères la partie Ajax En fait, t'es obligé de rajouter du script quelque part. Et quitte à ajouter du script, autant. Euh... Tu vois, si tu veux faire la partie Ajax, t'es obligé de faire du fetch. De, de... Et là, je trouve que t'as plus vite fait de sortir un VJS, on est d'accord. Euh... Parce que tu vas être obligé de faire ça. Ouais, c'est clairement pas fait pour. Hein. Je pense que tu peux, mais. C'est pas ouf, quoi. Entrangle. C'est pas ouf. T'as un ad hoc parti à Je crois que je comprends pas. Avec une part ouais mais tu vois moi dans mon cas c'était ok bon concrètement alors voilà, voilà euh, est-ce que vous avez d'autres trucs que vous voulez que je vois sur LiveWire ou vous vous êtes fait déjà une idée euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais, euh, je pourrais présenter ou je pense qu'on a fait le tour Gins, attends, attends je, je, reviens, je reviens sur ça. Car une valeur change, l'autre change. Ouais, ça devient technique. <laughs> je veux dire, tu as plus vite fait d'apprendre du JS. Quoi. Euh, non, après, plus sérieusement, hein, blague, blague à part, je pense que ça peut être intéressant pour des petits composants où tu n'as pas envie de sortir la thierie lourde et tu veux faire effectivement des trucs côté, côté, côté back-end. Euh, comme tu le disais là, le côté euh, je veux faire un select avec un, un sous-select et ce genre de truc, c'est vrai que ça peut être un choix qui est intéressant parce que tu vas devoir faire de toute façon un aller retour côté serveur. Donc de ce point de vue là je pense que c'est intéressant par contre ouais, comme tu le dis euh, clairement c'est pas fait pour se dire tiens je vais faire tout un site en live livewire parce que c'est quand même l'usine, on va pas se mentir mais pour des euh, pour des petits composants autant faire des web components oui mais en fait tu vas devoir si tu fais des web components euh, ce, que... ce qui se passe c'est que tu vas devoir Séparer la logique de ton composant et ton API, et vraiment faire deux choses distinctes. Et en général, c'est ce que ce qu'aiment bien les gens avec ce, ce genre d'approche-là c'est que tu, tu gères tout par le back-end. Et donc, c'est un peu plus simple. Tu vois, Si on s'imagine si que tu veux faire un deux select liés, en JS, ça peut être rapidement compliqué. Alors que là, tu peux te dire moi bon, je fais un composant live-wire et, et basta, quoi. On voyait un mini-exemple sur Discord. Ouais, ouais, je vois ça. Euh, mais en fait, le problème, c'est ce JavaScript que tu balades zard un petit peu là, quoi. Moi, c'est ça que j'aime pas trop. Il est... Mais je pense, ouais, voilà, je pense que j'en ai assez pour faire une vidéo. Hein. Mais ça me semble compliqué en fait, si, si tu veux. C'est un peu ça, le, le, le truc qui me dérange un peu, c'est qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Et j'imagine que quand quelqu'un rentre dans ton projet, ça peut être un petit peu difficile. J'ai l'impression qu'il y a plus de propriétés ou de trucs que, que dans Vue.js, VELT ou, ou autre, tu vois. Perso, j'utilise LiveWire pour tout sur mon site. Le code est simple. J'ai fait attention au nombre de requêtes Ajax. Et je trouve que pas que c'est l'usine. Ok. Et tu le fais, c'est quoi comme type de site que tu as Tiens, je suis curieux. Tu ne l'utilises pas pour les transitions entre les pages, on est d'accord. Les pages, ça reste des pages classiques où dedans, tu as des composants live wire. Prefetching, c'est quoi ça Je prévois un live go ou Rust un jour alors peut-être un, un live go pour redécouvrir parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait mais il me faudrait un exemple concret et actuellement j'ai pas trop de choses qui m'intéressent euh, qui nécessitent justement l'utilisation de ces langages Rust ça peut être difficile parce que je pense qu'il faut l'apprendre à la tête reposée je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant de le faire en live parce que je vais complètement euh, mouliner quoi. pour une admin des transitions de pages se font avec TurboLink ok en live Rust, je vais tellement pédaler dans la semoule que ça va pas être rigolo. Hein. Ouais, bah je pense avoir une bonne compréhension de, de ce pourquoi ça peut être utile, franchement. C'est le plot de fichiers. Ça, ok, tu fais une image, tu as un input, tu as une erreur en cas de problème. Donc, ça, c'est un fichier. Après, tu peux le stocker. Ça, c'est un fichier que tu as au niveau de, de la Ravel, je vois. Ouais, ça peut être intéressant parce que tu peux. Derrière, tu peux réafficher le... la photo de l'avatar une fois uploadé, quoi. Je peux gérer plusieurs fichiers. On peut se faire ça, tiens. On peut tester de, de créer rapidement. Il est quand même 20h40. Euh, un petit uploader de fichiers. On va se créer un nouveau truc. On va l'appeler Uploads. Et on va essayer de s'imaginer un petit système où on va uploader des, des fichiers. Et au fur et à mesure, ils vont se mettre dans une liste. Voilà, ça va être l'occasion de voir ça. Donc, on va aller créer une, un nouveau contrôleur. Donc, on va faire un php artisan make contrôleur et on va l'appeler euh, upload controller. Ce contrôleur, on va aller le créer là. On va aller créer une petite fonction index. Ah oui, alors, tu m'as dit pubf. Oh, C'est trop bien ça. Et dedans, on va retourner une vue qui va s'appeler page slash upload. Ensuite, on va aller créer euh, un nouveau fichier, donc dans la partie, euh, donc c'était view. On va aller créer un nouveau fichier qu'on va appeler page slash uploads.blade.php. Dedans, on va créer la même chose que ça. Hop, voilà. Et euh, on va rien mettre dedans et on mettra uploader. On mettra uploader, uploader vos fichiers. Donc je réactualise la page, c'est censé fonctionner si ce n'est que j'ai pas déclaré la route, donc là on va la déclarer ici. Donc on va lui dire que ça sera slash uploads qui mènera vers le uploads controller. On va l'initialiser. Voilà, et ça sera index. Je crois que je l'ai appelé comme ça. Hein voilà. Euh, maintenant on va euh, se dire que on va avoir besoin d'un composant. Donc on va faire un php artisan make the point component c'est ça hein euh, attendez make live wire ok et on va l'appeler file uploader voilà donc on va aller dans le file uploader et on va aller s'imaginer que je crée une nouvelle propriété publique qui sera image qui sera ma liste d'images euh, et ça sera un tableau j'imagine que je peux même le typer en lui disant hop là ça sera un tableau de file. Je ne sais pas ce qu'il faut utiliser comme, comme truc. Qu'est-ce qui représente un fichier Ça Quand on fait du, du front-end en dev, est-ce qu'on est obligé de faire du design non, 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 En général, c'est c'est les designers qui vont t'offrir te, 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 la maquette et toi, tu n'as tu pas besoin de faire du design. Vraiment pas. Euh, donc ensuite, on a. Ok, on a ça à rajouter. Ok, pas de problème. Ensuite, on met des règles de validation. Ok, bon, bah, ça, ça a l'air super simple. Et euh, on valide les photos. Et après, on store les, les, les photos. Ah, par contre, moi, je voulais pouvoir gérer plusieurs fichiers. Ok, donc j'ai un tableau. Je valide. Je lui dis que c'est. Euh, bah, du coup, ça va être les images, moi. Il doit être des images qui font maximum 1024. Un méga maximum. Ok. Tiens, on va mettre euh, 3 kilos maximum. Il okay. a pas de sens. Et pour chaque photo, on, on les sauvegarde. Mais il les sauvegarde où Bon, j'imagine qu'il les sauvegarde quelque part, mais en vrai il faudrait, euh, il faudrait euh, les sauvegarder dans la base de données, tout ça, tout ça, quoi. Ouais on va voir ce que c'est euh, file mais euh... attendez est-ce qu'il n'y a pas un exemple euh... est ce que j'ai pas le file Je pense que c'est ça en fait l'interface c'est pas vraiment une interface mais ça c'est ça Et là on a store dessus On doit bien avoir la bonne signature Mais vous voyez il la trouve pas Il la trouve pas parce que oui c'est un tableau d'image pas je... Oui, je sais pas lequel est le bon Mais bref Ok, donc je vais juste ouvrir mon explorateur de fichiers qui est, il est parti. Okay, sur cet écran-là, j'ai pas des masses d'images euh, sur mon ordinateur. J'en ai même pas du tout. Ok, on va prendre ces images-là. Donc là, j'ai envie que l'utilisateur puisse uploader ces images. Donc dans le file uploader. Non c'est pas ça. Au niveau du blade, on va euh, ben, faire basiquement ce qu'ils ont fait là. Hein, euh, ben, pour le coup, on va pas être très inspiré. Vous voyez, quelqu'un me disait oui, il y avait un commentaire qui disait de garder la ce C'est pas un vrai commentaire ce truc-là. Hein. Grave, qui est la personne qui a fait ton avatar Lequel Celui qui est... Euh, parce que j'ai plein de ratons laveurs maintenant. Celui qui est sur Graphic Art. Celui-ci. Ou celui... Euh... Celui-ci. Ah, merde. Ah, je peux pas le... Merde. Attendez. Hop. Ou celui-là. Ou celui de Twitch qui est... Euh... Ou Celui-là, celui qui rage, celui de ta page 404, alors celui du site, celui que vous voyez là, c'est Jérémy qui l'a fait. De Jérémy, design qui l'a fait, et on peut même voir l'illustration. Non, elle est un peu plus. Voilà, c'est lui qui l'a fait. Celui qui est blanc. Celui que j'utilise en avatar souvent. Euh... Alors attendez, il faut que je vous retrouve parce que ça date. Je l'ai depuis très longtemps, celui-là. Je sais pas si le site existe toujours. Non, il n'existe plus. Fuck, 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 fuck. Euh... Je suis en train de le rechercher. Hein merci, merci Alex pour le. Il faut, il faut utiliser le, le raton. Attends, Hop, il est où? Euh... Attendez, je vais sur Wayback Machine pour le retrouver le site. Parce que le site n'existe plus, le site où je l'ai prise. Ok, Wayback Machine a planté quand j'ai mis URL, quoi. Génial. Ouais ça continue à planter. Je joue à TFT. Ah bon. bon courage. Bonne, bonne teamfight tactics. Place bien tes, tes, tes héros. Ça, sent le mec qui a fait du League of Legends. C'est un peu plus qui dit, bon, allez, il me faut... Je joue à TFT, ça, ça va être plus... Donc l'autre, euh, c'est celui qui est l'illustrateur de Smashing Magazine. Euh, mais je ne sais pas s'il travaille encore chez Smashing Magazine, mais c'est lui qui avait fait cette, cette illustration-là. Je sais pas si on peut retrouver son nom en fait. J'arrive plus à retrouver son nom. Et ça fait chier en fait. Euh, et donc c'est lui qui a fait, euh, qui a fait le. Celui-là. Oh, merde. Celui-là. Et, euh, et après le dernier, donc celui euh, qui sert pour les émojis. Euh, ça, c'est euh, quelqu'un sur Fiverr. Retrouver son nom, encore une fois, je galère, désolé, parce que j'ai trouvé son style super sympa. Et euh, attendez, il faut que je retrouve qui c'est que j'ai embouché. C'est possible de cacher une API avec G. Qu'est-ce que je veux dire par cacher? Et s'il s'appelle Saptan, il travaille super bien. Donc, si vous cherchez quelqu'un. Pour faire des emojis pour Twitch. Euh, voilà, et il fait ça et il en fait des super, super cool. Quoi. Bref, je vais continuer sur mon truc là. Euh, J'ai complètement perdu le fil de ce que j'étais en train d'essayer de faire. Oui, la de fichiers. Ok, on... c'est bon, bon, ça me, re... ça me revient. Euh, J'ai créé mon composant. Et dans mon index.blade.php, dans mon upload, je vais créer mon composant. Donc là, ça sera Live livewire. Merde, c'est quoi, index Ouais, c'était livewire de point euh, file-uploader. Bah, ça, c'est vrai que l'upload les, les, de fichiers, c'est quand même la merde avec les API rest et tout, parce que ça, ça... c'est un peu galère. Donc là, j'ai mon uploader de fichiers et euh, je vais sélectionner des images. Et automatiquement, il va les envoyer. Donc, dans mon file uploader.blade.php, quand je vais cliquer sur save, il va soumettre. Et lui, il va aller. Ouais, bah, basiquement, il doit faire tout tout seul. quoi. C'est génial. J'essaie de réfléchir au problème que ça peut. Justement, comment tu envoies un reste Maintenant, tu envoies en forme. Moi, j'envoie en forme data. J'ai des fichiers à envoyer. Sinon, il faut les envoyer en binaire, c'est relou. Euh... j'avais te... testé les bits bref <laughs> ouais, faut... ouais ouais merde j'avais pas mis un seuil donc en deux temps non non, non moi j'envoie des formes data donc en fait tu as plusieurs manières de faire les choses euh, mais il ya une il ya un type de, de body que tu peux envoyer qui accepte deux parties, et tu peux envoyer une partie où tu envoies le fichier, et l'autre partie où c'est du... Mais sinon, tu, tu dis en forme. Euh... Je peux te retrouver ça, mais c'est sur un projet qui date tellement... Il y, y a une entête particulière qui te permet d'avoir un body en deux parties. Et du coup, moi, j'avais utilisé ça pour envoyer d'un côté des fichiers et tout ça. Sinon, évidemment, en HTML form, en fait. Et donc tu envoies tout d'un coup. Il faut juste que le serveur, il comprenne à la fois le JSON et à la fois les formes d'attaque, quoi. Euh, donc je vais dans l'image et je vais essayer d'uploader deux images. On va prendre deux PNG. Voilà, et on va les déplacer là. OK. Je clique. Donc okay, il ne m'a même pas laissé cliquer. Parce qu'à mon avis, je n'ai pas mis le defer. Donc il essaie d'envoyer tout de suite. Et il essaie d'envoyer dans l'image. Donc on va faire ça. Alors ça c'est marrant ça, du coup. Parce que ça veut dire que dès qu'il les reçoit. Mmh. Là je suis très curieux parce que quand je fais ça... Il va directement appeler ça. Ah oh, putain quel bordel. C'est multipart data, ouais. Multipart form data qui permet d'envoyer des. C'est ce c'est ce qui est géré par les formulaires HTML standard. Quoi. En fait, qu'est-ce qu'il fait là Là j'ai l'impression qu'il a uploadé les fichiers quelque part. Et quand je vais faire save, il va les avoir sauvegardés. Mais en me disant que l'image n'est pas bonne. Mais qu'est-ce qu'il a foutu des fichiers en attendant Il n'y a pas besoin d'une vidéo, c'est le, le système d'HTML de base. Quoi. API est payante et je veux pas que les gens l'utilisent la voix avec DevTools. Bah, il faut que du coup il faut pas que tu exposes l'API, c'est les gens vont appeler ton serveur et ton serveur va appeler l'API, comme ça tu as caché l'API. Euh... Alors dans Storage. Alors dans Storage on a app. D'accord, donc c'est là où il a foutu les images. Et tu pries pour qu'il nettoie quoi je suis pas très fan de ça, je vous avouerai. Parce que ouais, il a pas nettoyé là en l'occurrence. Si je réactualise la page, est-ce qu'il va nettoyer Mais non. Ah mm -hmm. Il y a bien un endroit où il y a un nettoyage, quoi. Ok. Tu vas voir à ton nettoyer. Ouais, non, mais ça me. À quel moment il nettoie Ah. Oui, ça j'avais compris. If you are not using S3, Livewire will handle the file cleaning automatically. Ok, bon, bon on imagine qu'il va, il va se débrouiller tout seul, quoi. Ok, donc maintenant si je j'appuie la limite, on va passer à 1024. Hop, je choisis deux images, j'en choisis une qui fait 797 kg et l'autre qui en fait... Je n'ai pas une qui pèse une tonne là. Ah bah, on va, on va... Attendez. Celle-là, elle fait 477. On va mettre à 500 kilos. Tiens. Comme ça, il y en a une qui passe et pas l'autre. Est-ce qu'il les envoie dans le bon dossier Je fais ça, je fais ça. Je fais save. Je me tape une erreur sur l'image numéro 1. Mais est-ce que pour le coup, l'image numéro 2 est passée quand même Et est-ce que dans les. Ouais, non, j'ai que les erreurs en vrai. Hmm. Donc là, j'imagine que dans le public, on n'a rien. Ok. Comment tu fais un for each avec ce truc-là là Ok, donc là, là, en fait, il va maintenant m'afficher une erreur, mais il empêche l'upload. Ok. Ce qu'il faut que je fasse, j'avais pas un style pour les boutons, hein genre un BTN, un, un truc, hein, voilà, que ce soit un peu sexy, quoi, que ça pop, pop, pop. Euh... Et on va mettre uploader envoyer. Les photos. Pouf, pouf, pouf. Et quand elles sont envoyées, je vais les récupérer. Donc, il faut que je fasse une boucle. Alors, on va faire ça aussi. Il y a plein de choses à faire. Oh, pareil, on va mettre envoi en cours. Envoi en cours. Trois points de suspension. Et on cible l'image. C'est quand l'image est en train d'être envoyée. On me disait que je pouvais avoir un Progress Indicator. Ça a l'air pas mal, ça. Mais ouais, le XON, c'est avec. Euh... Jouin... Jouin... Jouinette qui dit ou joined, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, je suis désolé, t'es le meilleur, mais merci. Euh... Donc là, j'aimerais bien avoir un petit listing des images qui sont en train d'être uploadées, en fait. Donc c'est à ce niveau-là. Là, on me dit que je valide les trucs, ok, mais là, il n'y a rien à faire. On est d'accord, ils ont l'air d'avoir rien mis, mais c'est à ce niveau-là où ils disent qu'ils mettent une liste de photos preview donc, on s'imagine qu'on va les mettre au-dessus. On va lui dire if $images. Et pour chaque image. Euh... Ouais, ou la limite, je peux faire un for each, en fait. For each image. As image. Euh, et je mets un end for each. Alors, après, comme je disais, il faut faire attention à mon avis vis-à-vis -vis de ces librairies. Parce que mon avis est très particulier, étant donné que moi. Euh... Par contre, on va leur donner une largeur. Je suis un développeur full stack, mais qui aime bien vraiment le front-end. Donc tous ces trucs-là, euh, ça va un peu à l'encontre de ce que moi j'aime. Donc euh, c'est assez difficile pour moi de juger correctement les choses à cause de ça. Maintenant, je trouve ça quand même sympa pour certains composants, si tu ne veux pas mettre les mains dans euh, du React, du JS ou autre. Et là, je trouve que ça peut être intéressant. Donc là, on voit qu'il essaie de mettre ça, euh, mais il ne le trouve pas parce qu'à mon avis, le storage public n'est pas, pas branché. Est-ce qu'il nous en parle de ça hum... Ok, donc je clique sur Envoyer des photos. J'ai mon erreur. Je vais essayer d'en envoyer qu'une seule. Donc Raccoon. Hop. Je clique sur Envoyer. Et là, elle marche bien. Là, elle est envoyée et dans mon dossier euh, image, ici, j'ai bien ça. Le, pro le problème, en fait, c'est que le, le storage n'est pas relié. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Ouais, je vais les manger avant le... le, le... Ouais, c'est ça. C'est le PHP, PHP Artisan. Et après, je vous ferai une petite conclusion sur ce que j'en pense. Euh, sachant que quand je vous donne... Hop... dit. PHP Artisan, Storage de link Ah, yes. Est-ce que du coup, les, les URL sont bonnes ou, ou il faut que je fasse des trucs en plus ah Non, euh, ouais. On dirait que ça marche pas. Hein. Parce que là, il essaie de charger de live ou ailleurs. Et après, preview. Donc ça ne peut pas fonctionner. Je ferai peut-être du Apex après. On va, on va voir. Il faut que je vois avec euh, euh, avec Romain s'il joue ou pas. Alors, je suis en train de regarder hein, parce que je me dis qu'il me manque l'aspect route en fait. Elles ne sont pas upload euh, dans le docket. Oui, oui, non, mais je comprends, mais. Mais ils génèrent cette URL automatiquement. Ce qui est bizarre c'est que ça ça devrait marcher en fait mais est ce qu'il me manque pas un contrôleur en fait avec live wire ça me semblerait logique Ah. Temporary file are uploaded in the live wire temp directory on the specified disk you can customize this Euh, peut-être faut que je redémarre la Ravel. Bon, j'en suis. Peut-être mater la config pour modifier. Oui, il doit y avoir un truc qui fait que là, il passe par un contrôleur particulier et il rajoute sa logique. Euh, tu, si tu peux regarder dans le web si à fait quelque chose de particulier, mais je pense qu'il me manque une clé du puzzle. Il me manque une clé du puzzle. Euh, on va chercher route peut-être. Peut-être il manque un middleware. Il y a peut-être un middleware caché ou hein, un truc qui vient me venir. À... Je pense que c'est ça. Hein. Mais ça, ça se met où ça C'est pas quand j'ai publish euh... la config là, live wire. Il doit y avoir un truc... Euh... Il... Ça manque de musique moi-même, je suis désolé, je suis sur Linux et je suis un foutu de configurer les trucs correctement. Moi j'aurais tendance à mettre là en fait. Sinon vous pouvez mettre votre propre musique. Mais j'avoue, ça fait bizarre, ça fait une ambiance chelou. Bon, je ne vais pas trouver et, euh... et. Ça va me gonfler et ça va m'énerver. Alors, euh, mais après ça fonctionne convenablement. Du coup, pour la partie upload de fichiers, tu peux avoir une progression et tout. Ça peut être cool, franchement, ça peut être cool, quoi. Tu as déjà la config en bas du fichier live wire. Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est dans le middleware, mais... Euh, mais je vous avouerai que c'est pas très intéressant pour la... C'est pas j'en fous. On je s'en fout en fait. Je voulais voir comment ça fonctionnait. Dernière petite chose, et après on se quitte sur ça, c'est la pagination. Comment fonctionne la pagination Je l'ai vu euh, mentionné rapidement sur la doc. Voilà ici. Ouais, mais du coup c'est un composant. Ouais. Tu, crées, tu crées tout sous forme de composant Ouais bon, basiquement tu dois suivre un peu la la doc et, et faire ce qu'il te demande de faire. Quoi. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense personnellement Alors si tu prends mon avis à moi, moi j'aime pas forcément ça parce que comme je disais, euh, je suis capable de faire du Vue, du React et des trucs. Et dans ma tête, c'est plus simple quand d'un côté j'ai du React, de l'autre côté je fais mon API, les deux communiquent, tout ça, tout ça, tout, ça, tout est clair, tout est euh, bien séparé pour moi. Maintenant, euh, pour quelqu'un qui connaît pas cet écosystème-là, euh, ou qui connaît mais de loin et qui trouve ça compliqué. Euh, cette solution-là, euh, je la trouve intéressante parce qu'elle te permet de créer quand même simplement un petit composant qui va être quand même piloté depuis le back-end. Donc pour les gens qui sont habitués à ça, ça c'est cool. Euh, c'est encore différent de Inertia parce que Inertia, faut connaître React, Vue ou Svelte et tu n'as pas le rendu côté serveur. Là, tu as quand même le rendu côté serveur. Quoi. Euh, donc de ce point de vue-là, c'est intéressant pour des petits composants que tu veux rendre dynamiques et sur lequel tu peux rajouter un peu de JavaScript sans sortir la théorie lourde. Et, et de ce point de vue-là, je trouve que ça peut être intéressant. Euh... Voilà, après j'irai pas. Donc je sais que quelqu'un sur le chat, je ne sais plus, ton... tout désolé, euh, disait qu'il a fait tout un, un back-end dessus. Moi, je le vois plus ça comme un truc, pop pop par-ci par-là. Après, effectivement, toi, tu l'as mis en place pour un dashboard, où j'imagine qu'il y a beaucoup de choses dynamiques. Et là, ça peut être effectivement intéressant parce qu'un dashboard, on s'imagine que tu veux filtrer les données, les réorganiser, les trucs comme ça. Et là, ça peut être intéressant de le faire côté... avec Inertia. Quoi. Alors, un, un conseil que Quelque... je Attendez. En fait, mon admin n'a que des formulaires et des, des, des data tables. Ouais, ben voilà, c'est exactement. Tu, tu, tu confirmes ce que je pense C'est ce genre de besoin, quoi. Sur un front, on va dire que ça va être un petit peu plus hardcore à mettre en place. À... Ça peut être intéressant, mais... mais ça va être plus difficile parce que tu as beaucoup de données à passer, ouais. bah, Je n'ai pas écrit de JS, mais tu as beaucoup. Tu as écrit. Est-ce que tu as fait du... du Alpine, du coup Ou tu fais full, full live wire Après, à voir dans le futur comment ça évolue. Bah, même si ça évolue, en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de techno, c'est l'idée de base en fait. L'idée de base, elle ne va pas changer avec le temps. Peut-être l'API va changer, le format va changer, mais, mais la structure de base, elle est posée et je pense pas qu'elle va être amenée à trop changer. Donc la question c'est de se dire est-ce que c'est une approche qui est correcte ou pas. Ouais, donc tu dis que tu ne fais pas du JS, mais indirectement t'en fais quand même. En mettant des conditions dans du Alpine ou dans du, de l'HTML, c'est du JavaScript. Euh, certes, c'est pas du JavaScript au sens, t'as pas écrit le langage, mais c'est vraiment le même principe quoi. Euh, tu préfères la stack JS à la stack PHP? Bah, ça dépend, ce n'est pas la même chose. Pour le front, tu fais du JS tout le temps, quoi. C'est facile de déplacer un site local sous l'Aragon vers un serveur OVH. Bah, tu as cette vidéo-là que j'ai faite, qui est justement fait pour ça. Tu vas dans le cursus et tu as... Cette partie-là, mettre son site en ligne et j'explique comment mettre un site en ligne. Ça dure 25 minutes et tu auras tout, tout ce qu'il faut pour déplacer ton site en ligne. Voilà, c'est tout, tout bête. Euh, voilà. Et après, si tu veux comprendre comment câbler le nom de domaine et tout, bah, tu regardes les autres. Franchement, ça. Je pourrais pas mieux t'expliquer là à l'oral que, que, que sur ça. Euh... En gros, LiveWire est beaucoup plus pour les devs back-end qui ne veulent pas passer du temps sur du JS. Exactement. Ça rejoint un peu Symfony UX pour l'idée. Avec un peu plus de, de, de flexibilité à ce niveau-là. Comment je peux avoir des balises Open Graph dynamiques en vue JS pour le social sharing étant donné que Facebook ne va pas exécuter le JS. Il faut du rendu du côté serveur, donc il faut utiliser Nuxt par exemple. Euh, il faut que tu rentres ta page. Tu ne peux, peux pas partager une page qui n'a pas de contenu HTML. Donc, je vais demander à Romain s'il veut jouer. Comme ça, je vous dirai après. Euh... Suis-je obligé de faire du serveur rendering Oui. <laughs> ouais, bah je vais aller manger. Euh, pour ceux qui euh, veulent vous en marre du code, euh, je restream après vers 22h, du coup, euh, si, si j'ai bien timé mon, ma manière de cuisiner. Et euh, à 22h, on fera du Apex donc euh, du jeu vidéo. Euh, si jamais vous avez des questions de dev et tout, vous pourrez les poser pendant ce truc-là, ça ne me gêne pas, c'est vraiment de chill, euh, voilà, vous venez, venez comme vous êtes, comme ils disent les autres, là. Euh, et en attendant, bah, je vais euh, vous trouver un petit stream à regarder. Alors attendez, hop, on va raid, hein, on va faire un Samuel Etienne, euh, hop, et on va aller trouver quelqu'un qui, qui stream du code, alors j'espère que, comme d'habitude, moi, si vous voulez être raid, euh, faites de l'intégration, <laughs> faites de l'HTML du CSS, c'est ce que j'aime bien regarder sur Twitch. Euh... Et c'est toujours cool, c'est toujours cool Alors euh... Alors, channel, channel, channel Là, c'est où les... Voilà, c'est là Tiens, et Techno Qui c'est qui stream hmm. Pas de masse de gens ce soir, hein il est quand même tard. Euh... Ça a l'air pas mal. Je regarde, hein, je, je regarde. Ouais, ouais. J'ai pas grand monde dans. Il y, y a pas de tag forcément pour l'inté, mais ah, il y a Colanta. Les gens regardent ça encore, ça existe encore. Alors lui il a le code qui est écrit trop petit, on voit rien. J'ai pas le titre du stream. Putain mon chrome il est flingué complet quoi. Tu vas dans la catégorie sciences et techno et tu tries par chaîne française. Ouais c'est ce que je fais. Mais c'est beaucoup de devs de jeux vidéo. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, hein, mais... Merci pour les bits ou les... les, les, les... C'est quoi, quoi ça Les Bible Fump, c'est quoi ce truc-là L'épreuve des poteaux entre poteaux, lol. Création, ah, mon gosse. Sinon, je vais vous rebalancer sur les chats. Hein. Je vais regarder des chats. Mais là, il y a quelqu'un qui parle de sinistre et de problème avec, avec les serveurs. Je pense qu'on va on arrêter va lui, si, comme ça, si vous, vous avez des questions. Alors, hop, on est parti. Euh, je le connais pas du tout, donc, par contre. J'espère que c'est quelqu'un de gentil. Pas les chats, ok, pas les chats. De toute là, elle est un PLS. Euh, hop. Et euh, je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui, qui vont regarder du jeu après. Du Apex. On va essayer de performer du coup. Et, et il faut faire combien de 37 top 1 Ça va être difficile. Hein. <laughs> Ciao